Mon enregistrement de mon côté. Donc, euh, bienvenue à tous et à toutes à ce cours numéro 6 hein. Bien évidemment, là, je montrais l'horaire euh, en partage euh, parce que bon, vous avez quand même euh, c'est votre première grosse semaine. Puis là, il va falloir s'habituer à ça un peu. Là, tous les samedis, là, euh, j'avoue. En tout cas. Courage à vous, j'admire, moi à chaque session, je vous admire, là, les étudiants du courtage immobilier résidentiel, surtout ceux qui travaillent de jour, comme on se disait. C'est possible de réussir en travaillant de jour parce qu'à chaque année, j'ai des gens qui graduent, qui réussissent leur examen de l'OSCIQ en travaillant de jour, puis en suivant la formation, mais ça requiert quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline. Fait qu'encore une fois, hein, fait, chapeau à vous, là, vous avez euh, tout mon respect. Là. Euh, de réussir ça. Donc, euh, c'est ça, je vous montre un peu le contenu du cours euh, d'aujourd'hui. Euh, ce que je vais faire, je pense, ouais, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de l'afficher là, je vais carrément m'amener ici. Voilà, ça c'est moi. Bonjour, je vais me réduire dans un coin, hein, comme d'habitude. J'aime mieux euh, me réduire dans un coin comme ça. J'occupe pas tout l'espace. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le contenu ici. Puis je vais vous l'afficher comme ça. On l'amène là. Puis lui, on le tasse là comme ça. Génial. Puis là, je vais pouvoir le zoomer pour vous le montrer d'un peu plus près. Donc, ce que j'avais prévu de faire avec vous aujourd'hui, c'est le retour sur l'intérêt simple. Après ça, on va parler de l'intérêt composé et du taux effectif. C'est lié, c'est très très lié, là, intérêt composé, taux effectif. On avait déjà fait un exemple d'intérêt composé et de taux effectif, mais là, je vous présente officiellement les formules, les manières, manières de calculer. On va aller faire le petit formatif, puis j'arrête ça là. Je vais essayer de finir le plus tôt possible pour vous donner du temps parce que là, vos, vos semaines vont être grosses. Rappel important, c'est de terminer la simulation 1 pour le 7 février. Hein. Bien évidemment, c'est la semaine prochaine. Ça fait deux semaines de suite de devoirs à remettre. Je sais que ça fait beaucoup. Mais c'est un bon investissement parce que ça nous débloque du temps pour les autres devoirs qui s'en viennent. Parce que déjà la semaine prochaine, je vous présente un autre devoir. Donc, c'est vraiment une chaîne de devoirs jusqu'à la fin de la session. Puis vraiment l'objectif de tous ces devoirs là, parce que des fois les gens me disent hey, ton objectif c'est de nous faire couler coudonc, avec tous ces devoirs là, c'est pas du tout ça, vraiment mon objectif c'est de vous amener à acquérir le plus d'outils possible pour pouvoir pratiquer votre métier et aussi réussir votre examen de l'OACIQ, parce que l'examen de l'OACIQ c'est le gros morceau pour d'abord devenir courtier, ça vous prend votre permis. Puis après ça, quand vous allez être courtier, vous allez voir que tous les outils qu'on vous donne dans les cours, c'est des cordes de plus à votre arc. Parce que c'est sûr et certain que vous allez rencontrer des gens qui vont avoir des questions en matière de finances. C'est sûr et certain. Des questions de qualité de construction, des questions de droit. Parce que je le répéterai jamais assez, le courtier immobilier, souvent on me pose la question hey, pourquoi est-ce qu'on doit connaître les hypothèques et tout ça C'est le courtier hypothécaire qui fait ça ou c'est le banquier? Le conseiller financier. Mais la personne qui est sur le terrain avec le client, c'est le courtier immobilier. C'est lui qui est en première ligne constamment, constamment, constamment en première ligne. Puis souvent, les gens, ce que je trouve triste, c'est qu'ils contestent en fait le fait que le courtier immobilier a une utilité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le courtier immobilier, c'est lui qui répond à peu près à tout. En première ligne. Puis s'il n'a pas l'information, c'est lui qui va la chercher, c'est lui qui va l'amener au client. Puis souvent, on minimise cet aspect-là, peut-être parce que certaines personnes ont eu des mauvaises expériences ou autres. Mais c'est très, très, très fondamental dans la pratique du métier. Donc euh, l'aspect conseil. Donc euh, c'est pour ça que plus vous avez d'informations, plus vous avez de cordes à votre arc, mieux c'est. En tout cas, je vais débuter tout de suite avec le retour sur l'intéressant parce que je ne veux pas passer la nuit à, à parler de, de mon opinion de la profession, qui est très positive. Donc, je vais tasser ça et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire ensemble. Donc, je mets ça à la place ici, puis je vais refaire le focus parce que je me rends compte que mon focus n'est pas bon. Hein? Vous ne voyez pas grand-chose. Hein? Oh, je m'excuse. En plus, le pire, c'est que j'ai fait le focus, mais je l'ai complètement perdu en jouant avec mes paramètres de caméra, malheureusement. Donc, je vais le refaire tout de suite. Je joue un peu avec mes paramètres. Je vais aller ici, je vais augmenter le contraste un peu. En, en améliorant le contraste, ça aide. Puis, je vais augmenter le sharpness un peu aussi. Ah, vous voyez, même au travers de ma feuille. Voyez-vous au travers de ma feuille ah. Je tenterai Ben oui, c'est fou hein, quand même le niveau de. Ben oui. Ben c'est ça, c'est parce que vous voyez l'autre côté de ma feuille. Vous voyez l'autre côté de ma feuille tellement ma caméra est puissante avec euh, ce, cette euh, paramétrisation. Je vais peut-être euh, diminuer un peu la saturation, le contraste pour que ça soit moins pire. Tiens, je vais le mettre comme ça, puis je vais le saturer un peu. Ouais, saturer, ça ne vaut pas tant la peine. Puis le sharpness, comme ça. Puis, ça devrait être quand même pas si mal. À ce niveau-là, je vais également tasser ma caméra, comme ça, je ne vais pas bloquer hein, au niveau de la lecture des problèmes. Puis je peux zoomer un peu plus. Pour vous soyez en mesure de lire Jean-Claude. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire Jean-Claude. Superbe, superbe, superbe. Donc euh, ça se déroule à la page 34. Je ne vais pas piger dans les exercices. Je vais directement dans les exemples hein, qu'on n'avait pas fait au dernier cours. Donc euh, je continue à ce niveau-là. Euh, si jamais vous avez des questions par rapport aux exercices supplémentaires ou formatifs et tout ça, vous pourrez me les envoyer par Mio. Ce soir, j'aimerais ça aller quand même promptement, si vous me permettez, vu que vous avez une grosse semaine. Et d'avancer les notes, le contenu qu'on a besoin, en fait. C'est ce que j'aurais. C'est ce que je proposerais. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous me permettez de procéder? Superbe! Donc, euh, c'est ce que je vais faire. <laughs> je vais me permettre de procéder. Puis je vais faire ces trois exemples-là qui me manquaient, comme ça, ça va vous faire d'autres exemples d'intérêt simple. Puis en même temps, ça nous prépare pour. Euh, les problèmes d'intérêt composé parce que les problèmes d'intérêt composé également vont avoir, euh, vont être à peu près, de la, vont euh, fonctionner à peu près de la même manière que ceux d'intérêt simple. Donc la situation qu'on a, c'est une situation avec Jean-Claude qui emprunte 500$. Hein? Donc euh, Jean-Claude emprunte 1 500$, mais là j'ai déjà un problème technique, mais vous ne le voyez pas je vais désactiver et réactiver bon puis j'ai perdu toutes les belles configurations que je viens de faire hein, bien évidemment parce que en désactivant et en réactivant ma caméra je perds absolument tout et je m'en excuse encore une fois je me mets comme ça le contraste la saturation un peu plus grand le contraste dans le tapis pour que vous puissiez avoir un peu de contraste voilà puis la sharpness aussi. On va dans le tapis. Et le focus. Le focus est quand même bon hein, comme ça. Tiens. Bon. Je retourne à la page 34. Désolé, c'est parce que je m'étais rendu compte que ma caméra ne bougeait pas. Donc, euh, 500 c'est ce qu'il emprunte pour une durée de 125 jours. Hein, un taux d'intérêt simple, 5,5 Quel sera le montant d'intérêt? Donc, on cherche le montant d'intérêt. Je vous rappelle quelles sont les lettres hein, euh, qui sont utiles pour nous. Donc le 500 dollars, c'est le montant d'origine hein, qui a été emprunté par Jean-Claude. Donc euh, c'est ce qu'on appelle le P dans, euh, dans notre liste de variables. Je vais juste me mettre ici comme ça. C'est le P, c'est le montant d'origine qui est de 500. Donc le montant d'origine, on l'appelle toujours P. Ensuite, la durée, on l'appelle n. Dans notre cas, c'est 125 jours. Est-ce que c'est correct? De travailler en jours selon vous. Exact. Et non, 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 pas de ta fête. Pas de ta fête, hein? en, année. en année, exact. Parce que c'est un taux d'intérêt qui est annuel de et 5 demi ,5. Donc, il faut le mettre sur la même fréquence que le taux d'intérêt. Donc, on va venir diviser par 365 jours. Les gens souvent contestent le 365 en me disant, ah, si c'est une année bisextile. Non, je ne vais jamais vous mettre d'année bisextile pour vous piéger. Là. Donc, ça va être un, un, une année régulière là, de 365 jours. Donc, ça avait été des mois. Hein. Si on avait eu des mois, on aurait divisé par 12. Mais là, comme c'est des, des jours, on divise par 365. Et si vous le faites sur votre calculatrice, là, je peux euh, dézoomer pour vous montrer comment je vais faire. Je vais faire 125 divisé par 365 égale. Puis là, vous remarquez que ça donne 34, 24, 65, 75 et ainsi de suite. Donc, je vais l'écrire 0,34, 24. Puis là, je vais marquer trois petits points parce que ça ne me tente pas de retranscrire toutes les décimales tout le temps. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, comment tu vas faire pour garder ça en mémoire? Bien, il existe des mémoires à la calculatrice. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est STO, la touche STO 1 pour le stocker en mémoire 1. Je vous montre où est la touche STO. Elle est juste ici, à côté du 4. Donc, vous pouvez appuyer sur STO et ensuite 1. Puis une fois que c'est fait, c'est tout simplement ça la chaîne, là, STO 1. Donc stockage 1, ça enregistre la donnée en mémoire 1. Puis si vous voulez tester qu'elle est bien enregistrée, vous pouvez faire RCL, la touche RCL, qui elle est juste ici là, en dessous du STO. Si vous faites RCL 1, vous allez voir que ça va vous redonner le 0.3424 trois petits points. J'en profite de cet exemple là pour vous montrer ces touches là, là qu'on va se servir de plus en plus. Regardez, si j'efface, j'efface complètement. Là, je suis revenu à 0. Si je fais RCL1, ma calculatrice se souvient du 0.342465753. C'est un truc pour aller plus vite en examen ou euh, aller plus vite en général dans vos exercices parce que c'est long à retranscrire tout le temps quand il y a beaucoup de décimales. Puis vous connaissez mon obsession hein, des décimales. Donc euh, ça permet de, de, de stocker sans avoir tout le temps à retranscrire le tout. Je vous répète, euh, c'est quoi la procédure? J'ai fait 125 divisé par euh, 365 égale 0,3424. Puis là, vous pouvez faire STO1 pour le stocker en 1. Ensuite, vous pouvez même effacer. Et là, quand vous allez faire RCL1, ça va remettre la donnée qui a été stockée en mémoire. Donc, euh, c'est quand même très pratique de pouvoir faire ça. Donc là, je résume sur le problème là, pour euh, avoir mon, mon focus. Puis, euh, c'est très, très pratique pour sauver du temps. Donc, euh, ça, c'est en nombre d'années. Ça fait que c'est 1, 0.34241. C'est juste long à retranscrire tout ça. Le taux d'intérêt annuel, le i est égal à 5.5. Euh, donc, ça c'est égal à 0,055 si on divise par 100. Puis là, la donnée qu'on cherche, c'est le grand I, c'est le montant total des intérêts. Donc, moi je trouve ça important de le marquer, le grand I égale point d'interrogation pour être certain de chercher la bonne chose. Puis, une fois que vous avez identifié qu'est-ce que vous cherchez, bien là, comme on cherche le grand I, on trouve toujours sa formule comme étant plus simple. Donc, je me servais de la formule du grand I. Grand I, c'est égal à quoi C'est P. Fois petit i, fois petit n. Donc, formule beaucoup, beaucoup plus simple. Moi, je vous encourage toujours à l'utiliser si vous êtes dans une situation de grand i. Donc, grand i va être égal à 500 fois petit i, qui est euh, 0.055, fois petit n. Mais là, petit n, c'est 0.34. Je vais me tasser un peu. Euh, je vais être obligé de dézoomer. Oups, là, j'ai de l'espace. 34 24 mais là trois petits points, il y a beaucoup 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 de décimales. Là, vous allez me dire comment on va calculer ça. Mais sur la calculatrice, qu'est-ce qu'on va faire On va dire que I est égal à 500 multiplié par le 0.055 multiplié par quoi Bien, là, il va falloir rappeler la mémoire stockée en 1. Fait qu'on va multiplier par RCL. RCL, ça veut dire recall. Et en anglais, recall, ça veut dire se remémorer. Est-ce que ma traduction est correcte? Recall. Non? Oui, oui, super. Superbe. Donc, recall 1. Donc, vous allez faire 500 fois 0.055 fois recall 1. Ça va rappeler la donnée en mémoire 1, puis ça va la multiplier avec le reste. Je peux vous montrer sur ma calculatrice. Je vais le faire ici. Si je fais exactement qu ce qui est écrit là, 500 fois 0,55, je vais le faire là. 500 multiplié par euh, 0,055 multiplié par recall 1 égale... J'arrive à 9,41, Je ne sais pas si c'est à ça que vous arriviez, vous autres aussi, là. 9.41 78 3 petits points de Puis exactement ça, hein? Superbe. Ah, pas de problème. Ah, c'est également ça en fait, euh, autant les mémoires que je, ben, la, la fonction que je viens de vous montrer, que toutes les autres fonctions des, des mémoires sont en vidéo sur Moodle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé là. Euh, je montre toutes ces fonctions là, comment enlever des données en mémoire, comment regarder. Parce que vous avez une touche ici, même. Au-dessus du zéro, là, le même. Ça, ça veut dire euh, d'aller voir en mémoire qu'est-ce qui est stocké. Puis, si vous l'essayez, si vous faites deuxième fonction 0, vous allez voir qu'est-ce que vous avez en mémoire 0. Puis là, si jamais vous voulez voir dans vos autres mémoires, parce qu'en fait, au total, vous en avez 10. Vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comme mémoire. Si vous voulez voir qu'est-ce que vous avez d'autre, vous pouvez naviguer avec les flèches. Donc là, si vous naviguez, vous voyez, en 0, je n'ai rien. En, un, 0, 34, 24. Euh, en deux, 1, j'ai mon 0.3424. En 2, j'ai 1.10 pour une raison que j'ai oubliée. Donc, vous voyez que je stocke des choses sans m'en rendre compte. <laughs> ah oui, question. En de Comment fait pour. Ah, euh, pour vider la mémoire, ce qu'on peut faire, c'est. Ce qu'on peut faire, c'est si jamais vous oubliez complètement comment faire, il y a une façon très simple, c'est d'aller faire un reset. Mais ça, je vous conseille pas trop de le faire. Si vous regardez en arrière de votre calculatrice, vous avez un reset, mais je vous conseille pas de faire ça parce que si vous faites le reset qui est ici, vous allez perdre également vos paramètres d'affichage. Donc, c'est pas recommandé, mais ça va marcher. Ce que vous pouvez faire, sinon, c'est assigner aussi une autre façon de le faire c'est d'assigner 0 mettons comme par exemple à ma mémoire 1 ce que je pourrais faire c'est lui assigner 0 en faisant 0 store donc STO 1 ça va marcher je peux vous le montrer là si je quitte puis je fais 0 STO 1 ça va stocker 0 en mémoire puis je retourne dans mon deuxième fonction deuxième fonction mémoire vous allez voir que maintenant j'ai zéro de stocker en un. C'est comme si je l'avais effacé. Sinon, il faut faire de mémoire c'est deuxième fonction clear work. Est-ce que ça a marché Ouais, ça a marché. Vous voyez, j'ai plus rien nulle part. Donc c'est deuxième fonction clear work. Donc deuxième fonction CEC ça efface tout ce que vous avez dans la mémoire, là, ces deux touches-là. Deuxième fonction en premier, puis ensuite Clear Work, ça vous efface euh, tout ce que vous aviez euh, stocké. Oui, ça va effacer la touche Recall, tout va être effacé si vous faites ça, mais faites-le faites pas trop souvent, là, parce que si vous le faites par erreur, c'est pas bon, là. Donc, euh, c'est ça, grosso modo. On était rendu au E. Donc, euh, le E, c'est avec Simon qui investit euh, 3500. Donc, le montant d'origine, 3500. Taux d'intérêt simple, 8.5. Après combien d'années? Donc, on cherche le nombre d'années, aura-t-il une somme de 5880? Donc, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'années. Donc, on cherche le N égale quoi? Donc, euh, on cherche le nombre d'années. On a le montant d'origine qui est de 3500. On a le montant final qui est de 5880. Et on a le taux d'intérêt I qui est de 8,5%. Donc, ça, c'est 0,085. Donc, euh, on a presque tout. Hein? On est prêt, pratiquement prêt à procéder. Donc, euh, vous pouvez soit utiliser la formule du S ou du grand I. Je vais commencer, je vais faire celui-là en méthode 1, je vais l'appeler euh, M1, qui est la méthode 1. C'est d'utiliser la formule du grand S. Puis le dernier, le, le F qui vient après avec Nancy, je vais le faire avec la méthode 2, puis vous pourrez choisir la méthode qui vous plaît le plus. Là. Il n'y a pas de méthode euh, obligatoire. Là. Moi, je ne vais pas vous imposer une méthode, en fait. Donc, méthode 1, S est égal à P fois 1 plus I fois N. Donc, j'utilise la formule du S qui est P fois 1 plus I fois N. C'est la méthode 1. La méthode 2, c'est d'utiliser la formule du grand I. On peut également utiliser la formule du grand I, mais bon, je procède comme ça. 5, 8, 8, 0 va être égal à 3500 multiplié par 1 plus. 0.085N. Bon, j'ai remplacé mon S par sa valeur, donc montant final 5880, montant d'origine 3500, taux d'intérêt 8.5%, et ce qui me reste à isoler, c'est le N. Mais là, il est pris dans une parenthèse. Là, vous allez me dire, normalement, on commence par les parenthèses. Mais là, on ne peut pas effectuer les calculs entre parenthèses puisqu'on n'a pas sa valeur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en premier pour isoler le N? Exact! Il faut diviser le 5880 par 3500 pour se débarrasser du 3500 qui y a devant la parenthèse. Puis là, comme le 3500, on annule une multiplication, bien, tout ce qui va rester, c'est le 1 plus 0.085n. Donc ça, ça nous simplifie beaucoup la vie. Et en divisant ça, ça nous donne un nombre, ça nous donne 1.68. Donc euh, tout ce qui nous reste, c'est la parenthèse. Puis une fois que la multiplication a été annulée, on n'est plus obligé de mettre la parenthèse. On peut juste dire que c'est 1 plus 0.085n. On n'est plus obligé de mettre la parenthèse. Et là, la prochaine étape, on ne peut pas tout de suite diviser. On doit d'abord se débarrasser du 1 qu'il y a ici. Donc, on va le transférer à gauche. Puis, en faisant ça, ça va changer son signe. Donc, ça va être 1,68 moins 1, qui va être égal au 0,085n. 1 moins ça, ça va nous faire 0,68. Sauf que là, on va devoir se débarrasser de cette multiplication-là. Même principe qu'ici, pour se débarrasser d'une multiplication, on effectue une division par 0.085. Et tout ça va nous donner le n. Et moi, j'arrive à 8 ans pile. Est-ce que ça marche? Superbe. Et là, vous voyez à quoi ça servait de résoudre des équations au début de la session. Ça nous permet d'être à l'aise, ben, plus à l'aise au moins dans, les, dans la partie sur l'intérêt simple. Et également sur l'intérêt composé qu'on débute ce soir. Ça va juste être une formule un peu différente. Bon, comment vous trouvez ça, la méthode 1 Est-ce que c'est votre favorite Vous l'aimez, hein Non Hein Une division. J'aurais pu que c'était la multiplication de 3500 multipliés par 1 puis par 0,080. Ah, ça marcherait aussi. Oui, c'est une autre façon de procéder qui est totalement autorisée. Ça serait une méthode 3. Puis existe même probablement. Oui, c'est plus long. Oh non. Non, ça aurait sûrement fonctionné. Oui, oui, je pense. Oui, tout à fait, ça donnerait la même réponse et c'est totalement autorisé de procéder comme ça. C'est une méthode droite que je ne ferai pas parce que, bon... Quand même, c'est pas la méthode la plus efficace, mais c'est une méthode autorisée et même encouragée. Mmh, mmh. Ah, question pour moi. Oui, N. Exact, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais je ne vais pas détailler la méthode 3. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Je vous montre une méthode encore mieux, en fait, dans quelques secondes, qui va encore plus vite. C'est la méthode 2, je vais l'appeler M2, qui est euh, la méthode la plus rapide selon moi. Puis plusieurs personnes, je suis sûr que plusieurs personnes vont me dire que c'est celle qui est... Qu'il ou elle applique euh, pratiquement toujours. Là. Donc, euh, la euh, situation F, on a 3000. Nancy commence avec 3000. Elle veut le placer jusqu'à la fin de ses études, donc 6 ans. Euh, pour que Nancy ait 5000 à la fin de ses études, quel devrait être le taux d'intérêt simple annuel Donc, on cherche le I. Sachant que le euh, ben donc I est égal à point d'interrogation, sachant que le P est égal à 3000, et que le S est égal à 5000, et que le N est égal à 6 ans. Donc on nous donne le nombre d'années, on nous donne le montant d'origine, et on, on nous donne le montant final. On pourrait utiliser la formule du S. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que là, je vais utiliser une autre méthode qui est encore plus rapide que la méthode 1, c'est de calculer d'abord le i. Le i, c'est l'intérêt qu'on va faire dans cette situation-là. Comme on, on finit avec 5 000 et qu'on commence avec 3 000, on peut calculer qu'on va faire 2 000 dollars en intérêt. C'est ça notre objectif. Donc, euh, l'objectif c'est 2000 dollars en intérêt puisqu'on commence avec 3000 et on veut finir avec 5000 capital plus intérêt donc objectif 2000 mais on connaît la formule du grand i grand i est égal à p fois petit i fois petit n donc c'est potentiellement plus facile d'isoler euh, le petit i dans cette formule là que dans la formule du s donc c'est encouragé le grand i vaut 2000. Le p vaut 3000. Le petit i est inconnu. Mais le petit n vaut 6. Donc on a tout sauf le petit i. Donc euh, c'est quand même une méthode euh, très rapide. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir multiplier le 3000 avec le 6, juste ici. Donc euh, c'est ce que je ferais personnellement. Une autre... Façon de procéder serait de diviser par 3000 des deux côtés, mais moi je préfère multiplier d'abord, si vous me permettez. Donc, je vais avoir 2000 qui va être égal. Puis pourquoi j'ai le droit? C'est parce que tout le monde est multiplié. Donc, il n'y a pas de priorité. C'est le même principe que de dire que 2 fois 3 égale 6, mais également 3 fois 2 égale 6. Donc on peut soit faire 2 fois 3 ou 3 fois 2. Ça ne change rien, donc on peut inverser l'ordre de multiplication et ça ne va rien changer. Donc, genre 18, 3 fois 6, 18, 1000, multiplié par i. Puis pour annuler ma multiplication, ben, je vais diviser mon 2000 par 18000. Et ça, ça devrait me donner ma valeur de i qui est égale à 0.1111111, petits points. Est-ce que c'est ça que ça vous donne 0.11111 Superbe. Donc, je vais dire environ 11.11%. Euh, 11%. Ah, question. Est-ce qu'il y avait une question? Ah, bonne idée. Bonne idée d'isoler avant. C'est une très bonne stratégie aussi. C'est d'aller là, hein. Ah, très bonne stratégie de Dalila, mais là, tu as révélé ton secret à l'entièreté du groupe. Ah, la compétition que tu vas avoir. Dalila, la compétition, t'encourages la compétition. <laughs> ben oui, ben oui, ben oui, je blague, je blague, je blague. Ben oui, on est là pour travailler ensemble, bien évidemment. Donc, euh, c'est ça, ça complète le petit retour que je voulais faire avec vous sur l'intérêt simple. Je ne sais pas si ça vous va, parce que vous avez des questions par rapport à tout cela. J'ai fait ça vite quand même, parce que l'intérêt simple, honnêtement, c'est pas le sujet le plus utile pour vous, parce que l'intérêt simple, concrètement, dans la vie de tous les jours, ça s'applique surtout au niveau des euh, calculs de... Euh, de, 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 de de voyons, j'oubliais, je, je l'ai dit euh, dernier cours. Les obligations. Les, c'est ça. Puis c'est pas recommandé présentement, les obligations. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé euh, RDI Économie, euh, c'est pas du tout recommandé là, au niveau des rendements. Là. Donc. Euh, c'est surtout à ce niveau-là. Mais c'est bon pour diversifier son portefeuille, quand même, les obligations. Ah, Nicole! Ah ok ben j'ai fait euh, montant, montant final moins montant initial qui est euh, S moins P pour obtenir le montant des intérêts. Pourquoi j'ai fait ça C'est parce que je me dis je commence avec 3000 puis mon objectif c'est d'avoir au final 5000 donc c'est de gagner 2000 en intérêts parce que le seul, moyen de le seul moyen de faire de l'argent avec l'intérêt simple, c'est de gagner de l'intérêt. Donc, euh... ben, c'est bien, c'est bien, bonne question. OK, bon, ben, page 34, c'est fait. Je vous présente euh, maintenant l'intérêt composé. Vous allez voir que le principe est très similaire à l'intérêt simple. C'est juste que la formule est un peu différente et qu'il y a une nouvelle variable qui est la variable, ben, il y a quelques nouvelles variables dont la variable m qui nous donne la composition de l'intérêt hein, parce qu'il y a quand même un concept de composition donc on fait de l'intérêt sur de l'intérêt. Donc la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé, c'est que dans l'intérêt composé, vous allez faire de l'intérêt sur de l'intérêt. Donc dans l'intérêt simple, ce n'est pas le cas. Donc si jamais vous prenez des obligations, vous ne faites pas d'intérêt sur de l'intérêt. Mais dans le cas de l'intérêt composé, oui. Puis je vous dirais que 90% du temps, c'est de l'intérêt composé. C'est très rare que c'est de l'intérêt simple, à moins d'une entente spéciale, c'est de l'intérêt composé par défaut. Ok, Donc, euh, obligation, c'est sûr que des obligations d'épargne, c'est de l'intérêt simple par défaut, mais à part ça, c'est toujours de l'intérêt composé. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus, hein? ça rapporte beaucoup plus l'intérêt composé, donc tout le monde l'applique, hein? tout le monde veut faire un maximum d'argent. Et on utilise la variable M pour euh, noter la composition de l'intérêt, donc le nombre de fois par année. Qu'on va faire le calcul d'intérêt sur l'intérêt. Puis je vous mets les différents types de compositions possibles. Vous avez le annuel, le semestriel donc annuel, c'est une fois par année, semestriel, deux fois par année, trimestriel quatre fois par année, mensuel douze fois par année, hebdomadaire quotidienne, donc 365 fois par année. Et remarquez que je ne traite pas le cas des années bisextiles, évidemment. Je ne vais jamais vous mettre un piège avec ça. Mais si jamais ça vous intéresse, les années bissextiles, c'est les multiples de 4 qui ne sont pas des multiples de 100 pour ce qui est de l'année en question. Euh, sinon, il y a une petite note en bas qui dit qu'il faut juste faire attention avec le hebdomadaire. Moi, je, dans le cours, pour le cours, la convention, c'est d'utiliser 52. Pour le cours. Dans le cours, il y a 52 semaines par année, mais souvent j'ai des questions. Les gens me disent, ouais, mais là, je vais sur le calculateur automatique parce qu'il y a des calculateurs sur le site des institutions financières. Et je n'arrive pas précisément au même calcul, au même chiffre que l'institution financière. Très souvent, c'est parce qu'ils ne vont pas utiliser la même valeur de M. Au lieu d'utiliser 52, ils vont utiliser 52.14. 28, 57 et ainsi de suite. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il utilise ça c'est parce que essayez-le pour voir. Faites 52 x 7 jours par semaine. Si vous faites 7 jours par semaine, qui est une semaine, fois 52 semaines, vous obtenez 364 jours. Donc, il manque une journée. Donc, c'est faux de dire qu'il y a 52 semaines. Il y a 52 semaines et un jour. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire 52 plus 1 divisé par 7 pour aller chercher le vrai nombre de semaines, entre guillemets, que possède l'année. Donc, euh, vous voyez à quel point euh, les gens vont euh, loin hein, quand même à ce niveau-là. Donc, euh, ça se peut que ça soit à cause de ça, si jamais vous n'arrivez pas tout à fait au même calcul. Mais nous, pour le cours, on utilise toujours celui-là là, pour le cours. Est-ce que c'est correct pour vous? Good, good, good. On n'utilisera pas 52,14, mais vous êtes au courant. Vous le savez que c'est possible que certaines institutions fassent ça. Puis je vous fais un petit rappel de qu'est-ce que ça veut dire de l'intérêt composé avec l'exemple de Linda, qui va placer 2000 pour une durée de deux ans à taux d'intérêt 10 capitalisé semestriellement. Semestriellement, ça veut dire combien de fois par année? Deux fois. C'est dans le tableau juste au-dessus. <laughs> Trimestriel pour le quatre fois. Donc, euh, c'est M égale 2. Donc, je l'ai noté ici. Là. Mon M est égal à 2. Donc, je vais compter mon intérêt deux fois par année. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça veut dire que mon premier versement, ça va être après six mois. Le premier versement va se faire après six mois. Le deuxième va se faire après un an. Le troisième va se faire après 1.5 ans. Et le quatrième va se faire après deux ans. Donc, euh, c'est ce que ça veut dire Donc, euh, au niveau du M égale 2. C'est qu'en deux ans, il va y avoir 4 versements entre guillemets d'intérêt. Donc, euh, les choses importantes à savoir, ben, c'est que j'ai mon capital initial de 2000. Fait que ça, c'est mon P. Fait que je peux également dire que mon P est égal à 2000 pour une durée de deux ans. Donc là, mon N va devoir comporter ce deux ans-là. Et mon taux d'intérêt est de 10%. Là, il faut faire attention parce qu'au niveau de l'intérêt la, la, composé, on ne va pas utiliser le 10 Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On va plutôt utiliser le taux périodique au lieu du i. Le taux annuel est de 10%, ça c'est le i, donc on a que i est égal à 10%, mais au niveau du taux périodique, qu'est-ce qu'il faut faire C'est qu'on ne va pas charger 10% par année, on va plutôt charger 2 fois 5% pour un total de 10%. Donc en fait, ce i-là, quand on combine l'information du m et du i, on va combiner les deux ensemble. Euh, avec l'information du M et du I, on va venir dire que le J est égal à 5%. Donc, on va plutôt charger 2 fois 5% que 10% annuellement. Dans l'intérêt simple, on charge le 10% annuellement. Dans l'intérêt composé, on va venir charger 2 fois 5%. Si on avait eu une composition différente, comme par exemple si on avait eu M égale 4, on aurait chargé 4 fois 2.5. Vous voyez la subtilité là, de l'intérêt composé. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire de paniquer. Là, je vais vous remontrer les formules euh, très bientôt. Je voulais juste vous, faire un, vous montrer une méthode qui euh, permet de faire les calculs au long. Mais on ne va pas toujours faire les calculs au long parce que, comme ça le dit, c'est quand même assez long. Qu'est-ce qui va se passer après 6 mois? Ben, après 6 mois on va venir faire 2000 dollars parce que c'est le montant du placement on va venir le multiplier par le taux périodique donc par le j hein, qui est égal à 5% donc on a le multiplier par 0,05 puis ça ça va nous faire en intérêt 100 dollars donc euh, on va obtenir 100 dollars d'intérêt puis le nouveau capital va devenir 2100 dollars parce qu'on va additionner ce 100 dollars là aux 2000 d'origine et qu'est-ce qui va arriver au niveau du deuxième versement d'intérêt après un an On va on va plus charger l'intérêt sur le 2000, on va charger l'intérêt sur le 2100. Donc on va avoir 2100, puis là on va faire encore une fois un 5 Je sais pas si ça vous dit quelque chose. On avait fait un exemple comme ça au dernier cours. Est-ce que vous en souvenez Ah, superbe. Et là, vous remarquez que contrairement à l'intérêt simple, on n'a pas le même montant d'intérêt à chaque versement d'intérêt. Ça va être différent puisqu'on fait de l'intérêt sur l'intérêt. Donc, on fait de l'intérêt sur le 100$ d'intérêt qu'on a obtenu au premier versement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveau capital? Bon, on va avoir 2205$ puisqu'on va additionner 105 au 2100. Et là, on continue. Troisième versement d'intérêt, 2205 multiplié par 0,05, mais ça, ça va nous donner 110,25 dollars en intérêt. Donc ça nous donne 2315,25 dollars comme nouveau capital. Donc le montant de l'intérêt est additionné au précédent capital. Et finalement, au niveau du quatrième versement, là, on prend le nouveau capital. 2315.25. Et on le multiplie encore une fois par 0.05. Puis là, demandez-moi pas de faire non plus 10 ans. Là. Je vais pas faire 10 ans de ça. Là. Ça va être euh, correct. Là. Je vais arrêter là. Est-ce que vous trouvez ça correct? Vous, vous comprenez le principe? Euh. J'espère que vous ne me demanderez pas de faire d'autres lignes. Est-ce que c'est correct si j'arrête après quatre lignes? Parce que là, ça va être long, là. <laughs> si vous me demandez de faire dix ans, ça va être long, là. Puis là, vous le voyez vite que ça devient long et fastidieux. C'est pour ça qu'on a inventé une formule pour faire ça plus rapidement. Mais je me disais, bon, ça vaut la peine quand même de vous montrer les calculs au long là, de comment ça fonctionne. Et je vous montre même une méthode 2 qui va un peu plus vite pour obtenir le nouveau capital sans avoir à passer par le calcul de l'intérêt. Donc, je vais vous montrer une technique pour obtenir le 2100, le 2205, le 2315, puis le 2431 sans avoir à passer par le calcul de l'intérêt. Vous allez voir, ma méthode est un petit peu plus rapide. C'est la méthode 2 qui est à la page 36. Donc, la méthode 2, je vous la montre. Euh, on peut aller encore plus vite. Puis comment est-ce qu'on peut faire? C'est en se disant que, en fait, le nouveau capital, c'est quoi? Bien, le nouveau capital, c'est égal à 100% plus 5%. Êtes-vous d'accord? Ah, les quatre versements, c'est trimestriellement. Non, a... Ah! Oui, 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 parce que j'ai fait deux ans. C'est parce que j'ai fait deux ans. En fait, le semestriellement veut dire que j'ai deux versements pour une année. Donc, euh, premier, deuxième. Oui, c'est ça. J'ai fait deux ans parce que je voulais faire quatre lignes au moins. Superbe, superbe, superbe. Si j'avais eu trimestriel, donc quatre versements par année, premier, deuxième, troisième, quatrième, ça couvrirait uniquement une année. Ça avait été trimestriel. Mais là, comme c'est semestriel, on couvre deux ans avec quatre versements. Mais c'est une très bonne question, très très bonne question, parce que là, on débute. Donc, euh, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je vais aller plus vite en prenant pour acquis que le nouveau capital, en fait, c'est 105%, parce que c'est 100% du montant plus 5% en intérêt. Puis 105%, si vous divisez ça par 100, en fait, c'est euh, 1.05. Fait qu'en fait, tout ce qu'on a à faire pour le premier, c'est de faire 2000 multiplié par 1.05. Ça va vous donner directement le 2100 de la page précédente. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre? Vous pouvez l'essayer, là. En faisant ça, vous vous sauvez le calcul des intérêts. Ça se fait d'un coup. Puis après ça, vous allez me dire pour le deuxième, ah, on va faire la même chose. Mais je ne vais pas tout à fait faire la même chose. Je vais vous montrer un truc. Ce que je vais faire, c'est 2000, encore une fois, fois. 1.05 puis je vais remultiplier par 1.05. Pourquoi je fais ça c'est parce que si je fais 2000 fois 1.05, ça me donne le 2100. Fait qu'en fait ce que je en train de faire en faisant ça, c'est de faire 2100 fois 1.05. Donc je rajoute 5% d'intérêt à mon 2100 puis ça, ça me donne directement le 2205 dollars. Donc, vous pouvez soit prendre le montant précédent et le multiplier par 1.05, ou vous pouvez carrément prendre le 2000 d'origine et le multiplier deux fois par 1.05. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir, dans les deux cas, vous allez avoir le 2205. Ça vous choque, hein? Oui, oui, ben c'est ça. Après ça, là, je fais juste les quatre lignes, puis après ça, on va trouver le 12e versement d'intérêt. Vous allez me dire comment le faire. Je passe au troisième. Troisième, je vais faire 2000 multiplié par 1,05, multiplié par 1,05, multiplié par 1,05. Si vous multipliez votre 2000 trois fois par 1,05, vous allez vous rendre compte que vous allez obtenir le 2315,25. C'est fou, hein? Puis là, vous allez deviner pour le quatrième, il va falloir faire 2000 multiplié par 1.05, multiplié par 1.05, multiplié par 1.05. C'est long, j'avoue que c'est long, là, multiplié par 1.05. Tout ça va nous donner 2431.0125 dollars, qui était le montant final de tout à l'heure. Hein. Puis là, vous allez me dire, c'est long à faire, hein. Ah, Anne! Exact! Pour le quatrième, on est beaucoup mieux de faire 2000 multiplié par 1.05 puissance 4, puisqu'il y en a 4. Exactement, ça va plus vite de faire ça plutôt que de multiplier à chaque fois par 1.05. Très bonne remarque. Puis ça, ça va nous faire également 2431. Mais là, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait ça sur notre calculatrice? C'est ce que, ce que, ce que j'apprête à faire avec vous autres. Parce que là, on veut avoir le douzième versement d'intérêt. Combien est-ce qu'on va avoir en capital? Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir le douzième? 2000, multiplié par quoi? Exact! Exact! Exact. On va le faire ensemble. Je vais vous montrer sur la mienne. Là. Je vais vous montrer. Il faut que je fasse 1.05 à la 12. Commencez par ça. Parce que si vous vous souvenez de PEDMAS ou de PEMDAS, c'est les parenthèses et ensuite les exposants. Donc il faut commencer par l'exposant ici, 1.05 exposant 12. Donc, euh, je vais mettre ma calculatrice à on, euh, ça va m'aider. Et là, c'est la touche yx qu'il va falloir utiliser, qui est juste au-dessus du 9. Mais d'abord, rentrez votre 1.05. Donc, je vais le faire 1.05. Une fois que votre 1.05 est rentré, là, vous pouvez faire yx. Donc, je vais faire yx, puis c'est là que je rentre mon 12. 1, 2. Puis là, vous pouvez faire égal, si vous voulez. Donc, je vais faire égal. Ça me donne 1.79. Est-ce que ça marche pour vous? Je peux recommencer. 1.05. Vous commencez par rentrer ça. Ensuite, c'est la touche YX qui est juste au-dessus du 9. Là, on voit que l'espèce le, de X est, au, est à l'exposant, donc on appuie sur cette touche-là, YX.

Oui, mais ça prend deux secondes. Il faut juste faire deuxième fonction et le point. Format. Il faut mettre 9 décimales. Il faut faire 9, puis Enter. Après ça, on peut quitter, puis après ça, ça devrait être correct. Mais sinon, si jamais vous oubliez, vous pouvez retourner voir euh, ma première vidéo sur le format de la calculatrice. Je pense que c'était semaine 1. Hein? J'ai oublié. Première semaine. Fait qu'en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est 2000 multiplié par le 1. 79 58 trois petits points. Puis, euh, ah, j'ai oublié de le faire. J'ai tout effacé. Je recommence. 1.05 YX. Trop rapide. <laughs> 3591, exact. 3591. Euh, point. Je vais arrondir à 71. Est-ce que ça vous va? 3591 et 71. C'est ce que j'ai. Environ, fait que je vais zoomer encore une fois là. J'ai mis la procédure ici pour calculer euh, 1.05 exposant 12 avec votre calculatrice. Et là, vous remarquez que ça va beaucoup plus vite en utilisant cette méthode là, surtout s'il y a beaucoup de versements d'intérêts. Donc euh, souvent, les hypothèques, c'est sur 25 ans. Ben là, on ne va pas calculer chacune des années euh, à la main. Ça va être long. Donc, euh, ce qu'on va faire plutôt, c'est d'utiliser des formules qui nous permettent d'aller plus vite. Donc, on va utiliser des exposants. Et en dessous, vous avez en fait l'ensemble des variables de la formule de l'intérêt composé. Donc, euh, je vous les décris là tranquillement. Vous avez P, qui est le capital initial. Hein? Donc, exactement comme pour l'intérêt simple, on l'appelle P. Donc, euh, le montant d'origine. S comme pour l'intérêt simple, c'est le capital initial plus les intérêts. Donc ça ça s'appelle encore S. Le taux annuel s'appelle encore I. Donc lui ça n'a pas changé non plus. Qu'est-ce qui a changé? Ben là je vais changer de couleur, je vais mettre ça en orange pour vous présenter les changements. Ben, le M, ça c'est nouveau. Donc ça c'est le nombre de périodes par année. Donc euh, ça c'est nouveau. On va avoir le, la capitalisation. Est-ce que c'est semestriel, trimestriel, mensuel et ainsi de suite On va devoir plutôt charger un taux périodique. Puis là, vous avez remarqué dans mon calcul ici, le taux périodique, c'était 5%. C'est lui qui est utilisé dans les calculs. Donc, contrairement au, euh, au petit i qu'on utilisait pour l'intérêt simple, là, on va plutôt utiliser un j qu'il faut faire un peu attention. Puis le J, comment est-ce qu'il se calcule? Bien, on divise le taux d'intérêt annuel par le nombre de fois qu'on va le charger par année. Donc dans notre cas, c'était 10 divisé par 2. Donc c'était 5 Ensuite, il va avoir une durée de placement en année qu'on appelle A. Et là, remarquez que le A n'est pas égal au N. Parce que le N, dans cette situation-là, c'est le nombre total. De périodes, donc faut faire attention. Moi, je vais venir multiplier le nombre d'années par le nombre de fois par année qu'on va calculer l'intérêt. Donc, si je fais deux ans, deux versements par année, ça va me donner quatre versements au total. Donc, il y a quand même une notion un peu différente ici là, parce qu'on calcule l'intérêt plusieurs fois par année. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je prenne le nombre d'années puis que je le multiplie par le nombre de fois par année euh, pour lesquelles on va euh, calculer l'intérêt. Et finalement, la fameuse formule de l'intérêt composé, c'est grand S qui est égal à grand P multiplié par 1 plus J exposant N. Puis on a vu pourquoi c'était exposant N. C'est parce qu'il faut multiplier plusieurs fois le montant d'origine par 1.0 quelque chose. Que c'est pour ça que c'est 1 plus j à la n. Si je me réfère à mon exemple, ben dans mon exemple, le P, c'était 2000, multiplié par le 1 plus j. Souvenez-vous que dans mon exemple, le J, c'était 5%. Donc, ça veut dire que 1 plus j, ça donnait 1.05. Et le n, dans mon exemple, c'était 12. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette formule-là. On prend le p et on le multiplie par 1 plus le pourcentage d'intérêt périodique, évidemment, puis on le met à l'exposant dont on a besoin, en fait, pour faire nos calculs. Donc c'est quand même beau de découvrir. Vous sentez-vous satisfait d'avoir découvert une formule mathématique aujourd'hui par vous-même Ou ça vous choque Presque, presque par vous-même. On vient d'inventer une formule. C'est-ce le genre d'activité que vous faites la fin de semaine, vous aussi Ou non Ah, dommage, dommage. Moi, c'est ce que je fais la fin de semaine. J'aime ça, inventer des formules mathématiques. J'adore ça. joli hein? Bon, est-ce que je peux vous faire des vrais exemples au lieu de de faire des choses euh, bon un peu théoriques là Est-ce que vous me permettez de vous montrer des vrais de vrais euh, numéros qui sont euh, très appliqués Il faut juste que je trouve la page suivante. Là, j'étais à la page euh, 36. Hein? Ouais, ça c'est page 36. Fait que faut que j'aille à la page 37. Ok, je l'ai ici la page 37. Superbe. Et là, il y a quelques exemples à faire avec vous. Là. Donc, euh, j'ai l'exemple A, qui est Marc, qui, est à la naissance de sa fille, place une somme de 1000. Donc, ça, il faut procéder exactement comme pour l'intérêt simple. Puis vous allez voir, la semaine prochaine, on fait les hypothèques. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, là, on va être vraiment dans le vif du sujet. Puis là, vous allez voir que le reste de la session, c'est juste des hypothèques ou presque. Puis vous allez voir que pour les hypothèques, c'est le même principe. C'est toujours de faire la liste des données initiales. Puis après ça, on commence nos calculs. Mais c'est toujours ça, la procédure pour tous les problèmes. Puis moi, je vous conseille d'amener des crayons surligneurs hein, à votre examen de loi CIQ, parce que ça aide pour souligner l'information importante. Donc euh, le 1000, qui est une information importante. Hein. Donc, euh, à la naissance de sa fille, Marc a placé quoi? Ben, une somme de 1000, donc ça c'est le montant d'origine, à un taux d'intérêt de 12%, taux annuel, capitalisé semestriellement. Et lorsque celle-ci aura 16 ans, donc on a un nombre d'années, il lui remettra la valeur acquise de ce placement. Quel sera le montant Donc la valeur acquise, donc la valeur capital initiale plus intérêt, c'est ce qu'il va remettre à sa fille lorsqu'elle aura 16 ans, j'imagine pour acheter une voiture ou. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut encore avoir notre permis à 16 ans? J'imagine que oui. Hein. Vous voyez à quel point ça fait longtemps. Superbe. Dans le temps, on pouvait avoir notre permis à 16 ans. Donc, euh... ah oui, question! Ah, ben je vais vous montrer une méthode qui permet de soit utiliser la formule ou directement la calculatrice BA2, évidemment. Vous allez pouvoir choisir entre les deux. Mais moi, j'aime ça, ça quand même vous montrer d'où ça vient tout ça. Donc, c'est pour ça que j'insiste quand même sur montrer les formules, mais j'aurais pu aller directement avec la calculatrice BA2, puis jamais vous montrer d'où les calculs viennent aussi. J'aurais pu faire ça. Ça aurait été une autre façon de faire, mais ça m'aurait fait de la peine dans mon cœur de mathématicien de juste vous donner des, des, fo des euh, fonctions de calculatrice plug, plug and play, là, un peu entre guillemets. J'aime ça quand même montrer d'où ça vient. En tout cas, puis en même temps, ça vous familiarise avec le processus. Donc euh, le P, qui va être le 1000 d'origine, hein, toujours le montant d'origine et le P. Le I, c'est toujours le taux d'intérêt annuel. Donc, ça, c'est 12 annuel. Donc, ça, c'est correct. Ah, semestriellement, c'est combien de fois par année? Deux fois par année. Donc, M égale 2, c'est le nombre de fois par année. Là, il faut faire attention, le 16 ans, ce n'est pas le N. Le 16 ans, c'est le nombre d'années. Donc, on appelle ça le A. Le A qui va être égal à 16 ans. Et je vous rappelle que le 2, ça veut dire deux fois par année. Donc, si on a deux fois par année pendant 16 ans, ben là, on se demande combien de fois on va faire de l'intérêt, selon vous 32, exactement. De là, la formule du n qui est a multiplié par le m. Le M qui est le nombre de fois par année, puis le A qui est le nombre d'années. Donc, si on fait A fois M, ben, c'est 16 fois 2 qui nous donne 32. Puis, ce 32-là, c'est quoi? C'est le nombre... C'est ça, total de versements d'intérêt. Donc, euh, sur la durée euh, versement M-E-N-T-S, hein? j'oublie un T. Des fois, j'oublie des lettres dans ce que j'écris. Donc, le nombre total de versements d'intérêt, ben, c'est le 32. C'est 16 ans fois 2. Deux versements d'intérêt par année pendant 16 ans, ça nous fait 32 euh, versements d'intérêt au total. Donc, c'est très important de de trouver ce, cette euh, lettre-là. Et qu'est-ce qu'on vient chercher ben, On cherche la valeur acquise du placement, donc capital plus intérêt. Donc on cherche la valeur du grand S. Donc c'est le grand S qu'on cherche. Et là, malheureusement, on n'a pas 36 formules dans cette situation-là. On a juste la formule du grand S. Mais là, avant d'utiliser la formule du grand S, qui est, euh, je peux vous l'écrire ici, grand S qui est égal à P multiplié par 1 plus J à la N, il me manque une lettre. C'est laquelle le J. le J, exact. Mais le J se calcule à partir du I et du M. Une fois qu'on a le I et le M, le J, bien évidemment, c'est toujours le taux d'intérêt annuel divisé par le nombre de fois par année qu'il va être calculé. Donc c'est deux fois par année. Et ça devrait faire un total de 12. Donc, c'est 12% divisé par 2, ce qui nous fait un 6% au 6 mois. Donc à chaque 6 mois, on charge 6%. Puis 6%, là, vous pouvez également dire que le J est de 0.06. Évidemment, au niveau du J. Là. On préfère la notation décimale pour ce genre de problème-là. Puis tiens, je vais mettre une barre verticale ici pour dire que ça, c'était mes données d'origine. Et ça, ça va être mon calcul plus formel de la situation. Donc, il faut faire très attention, toujours calculer le J, toujours calculer le N. Il y a un petit peu plus de technicalité au niveau de l'intérêt composé, mais ça se fait quand même avec la formule. Donc, S va être égal à 1000, qui est le P, multiplié par 1 plus 0.06, le tout exposant 32. Donc, il s'agit de remplacer le n par 32, le j par 0.06, le p par 1000. Donc, s va être égal à 1000 multiplié par 1.06, le tout exposant 32. Commencez par le 1.06 exposant 32. Euh, si vous faites ça, moi, ça m'a donné 1000 multiplié par euh, 6.45. Est-ce que c'est ça que ça vous donne, trois petits points? 1.06 à la 32, ça me donne à peu près 6.45. <laughs> Superbe. Ah, je pense que Nicole qu a une question. Nicole! Oh non, je, le... ah, ah, non, pas besoin de s'excuser. C'est totalement euh, correct. Hein. Puis, euh, bien évidemment, si on multiplie ça par 1000, ben S va être environ... J'ai arrondi à deux décimales... 6453.39. Je ne sais pas si vous arrivez à ça, là. Pour acheter une voiture. Exactement. Oui. Superbe! On va acheter une voiture usagée, hein. 6453.39. Mais c'est correct, hein. J'ai déjà eu... Petite tranche de vie, j'ai déjà eu une voiture à 500$, donc... 6453 et 39$. <laughs> C'est quand même pas si mal. Donc euh, elle a pas toffé longtemps la voiture à 500$ par contre. Vous pouvez l'imaginer. <laughs> Donc euh, comment vous trouvez ça finalement? Est-ce que vous trouvez ça correct, choquant? C'est toujours ça. On fige, on sait pas quoi mettre où, quelle donnée va où. On devient mélangé quand on est seul. Hein. C'est ça qui arrive malheureusement. Puis pour moi, vous allez vite remarquer que pour moi, c'est une simplicité l'homme mais des plus totales. Euh, D'ailleurs, ça m'arrive souvent là, que. Dans le fond, ma conjointe, elle suit encore des cours à l'université, puis des fois elle me montre des problèmes. Je sais pas si j'ai un livre pas loin de maths financières. J'avais un livre pas loin de maths financières, mais je ne sais pas où. Ça arrive souvent que euh, elle arrive avec un problème de maths financières, puis elle s'en souvient plus comment faire. Elle me le montre, puis moi tout de suite, euh, tout de suite c'est comme, comme un, c'est comme un livre ouvert là, pour moi. Tous les problèmes de maths financières là, c'est euh, c'est sub... totalement clair dans ma tête, mais pour 99% des gens, c'est du chinois. Puis pourquoi c'est comme ça pour moi Ben c'est parce que j'en ai tellement fait d'exercices de numéros, je pense que j'ai vu toutes les situations possibles. Je voulais vous montrer un livre, mais je ne trouve plus mon livre de maths financières. C'est pas grave, il est dans ma tête. Tout est là. Tout est dans ma tête. Donc euh, ça devrait bien se passer. Je vous présente le B qui est euh, Hélène, donc un autre exemple hein, quand même intéressant, euh, qui a gagné au 649, donc euh, il y a trois ans. Donc on nous donne le nombre d'années, encore une fois. Elle a gagné au 649, elle a placé ça, un taux d'intérêt capitalisé semestriellement de 10%. Si aujourd'hui son capital vaut 42 625 et 11, on cherchait son gain à, à la loterie. Est-ce que vous êtes capable de trouver la lettre qu'on cherche? au moins ici, la base, le, p, non? le p exact c'est le p donc euh... okay. oui oui tout à fait tout à fait c'est bon on cherche le p donc là je l'ai mis ici p égal point d'interrogation faut pas confondre avec s que là, là, qui était pour le numéro précédent c'est pour ça j'ai mis une division là euh, à ce niveau là donc euh, on cherche le p parce qu'on cherche le gain d'origine à la loterie il y a trois ans, ben on nous donne le A qui est égal à 3 ans, donc le nombre d'années est de 3 ans. Taux d'intérêt capitalisé semestriellement, donc on nous donne également le M égale 2, hein, capitalisé semestriellement, ça, ça nous donne la valeur du M. Le 10% nous donne la valeur du I qui est égal à 10%. Ça, c'est le annuel. Une fois qu'on a le M et le I, nous sommes très heureux de les combiner, hein, le M et le I, pour déterminer le J. Hein. Le J qui est toujours le I divisé par le M. Donc, ça vous donne 10% divisé par 2, ce qui vous fait un 5% à chaque 6 mois euh, pour le J. Puis finalement, on sait qu'aujourd'hui, son capital vaut 42 000. 42 000, c'est quelle lettre yes. S, tout à fait. Donc on connaît le S qui est de 42 000, qui est la valeur finale. Euh, 625.11, valeur finale. Et il manque juste une lettre, c'est le N, qui est égal au A fois le M. Donc c'est le nombre d'années fois le nombre de versements par année. Donc c'est 3 multiplié par 2 versements par année, ça nous fait 6 versements. Parce que on a 3 années fois 2 versements par année, donc 6 versements d'intérêt au niveau du n. Une fois que tout ça est fait, ben, on est prêt à procéder. Hein? Procédons, on connaît la formule. S est égal à P multiplié par 1 plus J. Le tout à la n. Remplaçons toutes nos données dans la formule. Donc 42 625.11 va être égal au P multiplié par 1 plus 0.05. Le tout exposant 6. 0.05, c'est le J hein, qui est de 5%. Là. Je ne l'avais pas écrit en décimal, mais bon, vous pouvez le convertir quand même. Et là, il faudrait isoler P, mais là, le problème, c'est que le P euh, multiplie euh, la parenthèse. Donc, vous allez devoir commencer par calculer 1.05 exposant 6 sur votre calculatrice, puis ça permet de vous pratiquer avec la touche des exposants. Donc, vous allez avoir 42 625,11 qui va être égal à P multiplié. Je l'ai fait ce matin, ça m'a donné 1,34. Arrivez-vous à ça? Oui. 0, 0, 9, 5, 6, mis, je mets un trois petits points parce que je n'ai pas envie de trop, tout retranscrire. Chose importante, c'est de le stocker. S-T-O-1. 1 Stocker-le en mémoire 1. Avec la touche STO. Je vous rappelle où est la touche STO. Elle est juste à côté du 4. Donc, stocker en mémoire 1. Pourquoi on fait ça Bien, On n'a pas envie de retranscrire toutes les décimales à chaque fois. C'est long et fastidieux parce que là, pour isoler le P, il va falloir venir diviser le 42 625. Donc, il va falloir faire 42 000 625.11 divisé par RCL1. Donc, il va falloir le diviser par la mémoire 1, donc Recall RCL, qui est la touche qui est juste en dessous du STO. Hein? Recall qui est juste à côté du 1. Donc, à gauche du 1, vous avez la touche Recall. Puis en faisant ça, ça devrait vous donner, moi j'arrive à 31 000. Arrivez-vous à ça? 807.51 environ. Génial. J'ai arrondi la réponse finale à deux décimales, comme c'est un montant d'argent habituellement, c'est ce qu'on fait là. Est-ce que vous êtes choqué où ça va? Non, ce n'est pas, pas crédible à cause du 10%. En fait, si vous êtes capable d'avoir 10% de nos jours, vous êtes quand même dans une bonne situation parce que les taux d'intérêt présentement sont très très bas. La Banque du Canada nous annonçait une hausse. Finalement, elle a reculé pour l'instant, mais d'après moi, d'ici la fin de l'année, nous allons avoir des hausses. Très fort probablement. La majorité des experts s'entendent pour dire qu'on va avoir des hausses euh, de taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont à taux d'intérêt variable, attendez-vous à devoir payer un peu plus en intérêt, malheureusement, pour les hypothèques? Je ne sais pas si ça, ça vous choque. <laughs> ah, OK. OK, bon, donc vous êtes choqué de base avec taux fixe parce que taux fixe, 90% du temps, taux fixe va payer plus cher que taux variable, 90% du temps. Oui, oui. C'est à peu près 90% du temps que vous allez payer plus d'intérêt avec taux fixe. Mais je vous dirais... Ah, bonne stratégie. Bonne stratégie. Ah, oh, on peut juste encadrer la réponse comme ça. C'est correct, c'est correct. Euh, Puis même à l'OACIQ, ils ont changé le format des examens. Et maintenant, les examens sont à choix de réponse ou mmh. réponse courte. Tandis qu'avant, il fallait faire une rédaction ou il fallait rédiger un paquet... Ouais, ben c'est ça, tant mieux pour vous, là. Mais euh, c'est ça, d'après moi, il y avait de la difficulté à trouver des correcteurs pour corriger les examens. Donc, parce qu'avant, c'était des longs examens à développement complexe. Il fallait écrire beaucoup, il fallait faire beaucoup de rédaction, beaucoup d'écriture. Maintenant, ils ont complètement changé leur format d'examen. Ça fait pas... Là, les gens me disent souvent, hey, il doit avoir un meilleur taux de réussite. Non <laughs>

Oui, oui, toujours papier. <laughs> C'est spécial, hein, quand même. C'est toujours papier, 100% papier. C'est choquant. Hein? Très choquant. Moi aussi, je trouve ça spécial pour l'OACIQ. Euh, mais je vous dirais que c'est pas la première fois qu'on euh, me rapporte que euh, l'organisme est quand même en retard sur certaines choses. Là. Mais ils se sont énormément améliorés sur certaines autres choses. Hein. Dalila, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas le même organisme. Donc. Euh mais l'OACIQ se sont beaucoup améliorés par contre pour les formations en ligne. C'est vraiment bien fait sur leur site web. Je pourrais vous le montrer à un moment donné dans la session. Vous allez voir que pour ce qui est de la formation continue, parce que vous, vous n'avez pas le choix de continuer. Vous allez être en formation toute votre vie en tant que courtier. Là, je ne sais pas si vous le saviez. Vous avez un nombre d'heures par année minimal de formation que vous devez suivre. Puis ça, ça s'est beaucoup amélioré. C'est tout en ligne maintenant, géré par une plateforme bien développée. Fait que ça, de ce côté-là, vraiment chapeau à l'OSCIQ. Mais sur certaines autres choses, ils sont un peu en retard. Là. Donc, euh, ils sont en rattrapage, hein, comme tout le monde. Donc, euh, C'est un peu ça qui s'est passé. Nous aussi, dans le système d'éducation, la formation que vous suivez présentement, euh, il y a deux ans, était entièrement en présence au Cégep. Je ne sais pas si vous le saviez, là. Puis euh, c'était euh, quand même... Euh, on était très loin de tomber en ligne. C'est la pandémie qui a fait tout ça. Mais en tout cas, on, on est en rattrapage. On s'excuse. On s'excuse. Donc. Euh, je vais faire le C, puis après ça, je vais vous laisser prendre la pause. Donc, euh, le C, on vous dit qu'une personne vient d'avoir un enfant. Elle aimerait placer un montant, donc un montant inconnu, aujourd'hui pour pouvoir lui remettre lorsqu'il aura 18 ans, l'enfant aura 18 ans, une somme de 15 000. Donc euh, on sait que le taux est actuellement de 9 Capitalisé encore une fois semestriellement. Quel doit être ce montant? Quelle lettre cherche-t-on cette fois-ci? Est-ce qu'il y en a qui savent? Oui, 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 relisez, relisez, relisez. On l'a, c'est 15 000. C'est le P. Parce qu'on a la somme qu'on veut lui remettre à 18 ans. On veut lui remettre 15 000 à 18 ans. Mais on ne connaît pas le montant d'origine qu'on doit placer aujourd'hui. Pour que ça donne 15 000 dans 18 ans. Donc, on ne connaît pas le montant d'origine. On connaît le montant final. Donc, on connaît le S. S va être égal à 15 000. Et on connaît également le nombre d'années. On sait que ça va être 18 ans. On connaît également le taux d'intérêt. De petit i, exact, 9 Le M va être égal à quoi? 2 semestriellement. Pour le N, le N va être égal à 36 par contre parce que le N, c'est toujours le nombre d'années fois le nombre de capitalisations par année. Donc ça va être 18 fois 2, ce qui nous donne 36 euh, versements. Au total. Donc, on va avoir un 36 versement. À partir du I et du M, on peut venir calculer le J également, qui va être 9% divisé par 2, ce qui nous fait du 4,5% à chaque 6 mois. Et maintenant, j'ai absolument tout hein, pour procéder euh, comme le précédent. Donc, S va être égal à P multiplié par 1 plus J, le tout à la N. Une de mes formules favorites. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette formule-là, autant elle est utile pour euh, l'argent placé à la banque, ou dans un REER ou autre, qu'elle est utilisée carrément à l'école nationale euh, d'aérotechnique où j'enseigne de jour, on s'en sert pour calculer la pression hydraulique dans, euh, dans des systèmes hydrauliques euh, comme par exemple les, euh, les euh, trains d'atterrissage. C'est intéressant hein, quand même de se dire que ça, c'est la formule des trains d'atterrissage. Également. Train d'atterrissage landing gear en anglais dans un avion. On peut s'en servir pour faire ça. C'est quand même assez impressionnant. En tout cas, 15 000 va être égal à P. Multiplié par 1 plus 0.045, le tout à la 36, donc 15 000 va être égal à P. Multiplié par 1.045, le tout exposant 36. Encore une fois, il faut commencer par l'exposant. Donc moi, ça m'a fait 15 000. Puis en même temps, ça nous fait pratiquer nos formules notre nouvelle fonction là, qui est la fonction d'exposant et de stocker en mémoire. Parce que moi, ça me donne 4 points. 8, 7. Ça vous donne tout ça? Oui. Superbe. 8, 7, 7 3, 7, 3, 7, 3 petits points. Encore une fois, stockage en mémoire 1. Bon, vous auriez pu stocker en mémoire 2 aussi. Euh, Ce n'est pas obligatoire de stocker en mémoire 1, mais moi j'aime bien stocker en mémoire 1. Et pour isoler le P, ben, on va diviser le 15 000 par la mémoire 1, donc recall RCL 1. Donc on a juste à faire recall 1 pour diviser, et on va obtenir le P. Moi j'arrive à 3 000. Est-ce que vous confirmez 3 j'arrondis à 43 trois oui, moi. Que je fais une erreur. Ah, une erreur. oui diviser par recall oui. ou... Divisé par recall un, exact. puisqu'il y a une division là. Et on fait égal. égal, oui. Sinon, si vous n'aimez pas euh, enregistrer en mémoire, vous avez le, totalement le droit de ne pas aimer ça, là, les mémoires de calculatrice, mais vous allez moins aimer l'autre option <laughs> qui est de faire... Qui Ben c'est ça, l'autre option, c'est de mettre toutes les décimales manuellement, bip, bip, bip. Mais ça, ça augmente vos chances de faire des erreurs de calcul. Hein? Mais ça va donner la même chose. Ça va donner exactement le même montant. Mais vous allez augmenter vos chances de, de faire des erreurs, mettre un 6 à la place d'un 7 sans vous en rendre compte. C'est plutôt gênant là, quand ça arrive. Et on s'en veut beaucoup quand ça arrive. Ça m'est souvent arrivé en examen, là, moi aussi, là. Euh, puisque je, je fais des examens quand même assez fréquemment. Ben là, la dernière fois, j'ai fait des examens comme étudiant, c'était à l'été passé. Puis euh, je me souviens là clairement l'été passé, j'ai fait un examen et j'ai fait une erreur de calcul. Euh, Whyou? Quelle oui, question? Trouvé 2042, 25, 26, 25. Ah? Ah, 42? Ah, OK. Non, non, c'est important. C'est important de s'affirmer, bien évidemment. J'ai peut-être fait une petite erreur de calcul. Là. 42 dans ce cas-là. Je vous fais confiance. Et il y avait Wayou qui avait une question. Ah ben... Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est autorisé de sauter des étapes. Moi, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes pour des fins pédagogiques. Mais vous, vous êtes autorisé à sauter certaines étapes. La seule chose que je veux pas voir, c'est juste une réponse. Okay. Je veux voir au moins qu'est-ce que vous avez fait comme calcul, mais vous avez le droit de sauter des étapes, oui. Non, plus maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'examen de l'OACIQ. Maintenant, c'est réponse courte ou choix de réponse. Donc, euh, ce n'est plus requis, malheureusement. Oui, oui. Oui, mais je peux vous faire un, un exemple de question. Par exemple, ils vous donnent la C. Puis, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est encercler la bonne réponse. Et là, ils vont vous offrir le 3075 et 42. Ils vont vous offrir 472 et 23. Uh, 2725 et 38. Ils vont vous faire une liste de choix de réponse Exact. exact. Euh, je pense que oui. Je pense qu'ils vous fournissent, fournissent des papiers brouillons, le draft sheet, là. de mémoire, oui. De mémoire, oui. De mémoire, oui. Puis le seul outil que vous avez droit exactement, c'est la Texas BA2+. Crayon, efface, surligneur, c'est autorisé aussi. Moi, je vous conseille de faire l'examen au crayon de plomb. Parce que si vous le faites stylo, euh, puis vous faites des erreurs, bien là, c'est toujours plate de devoir effacer. Allez-y au crayon plomb. Et, et de bien ça, moi je ne recommande pas les stylos effaçables parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec ça. Les stylos effaçables s'effacent à la chaleur. Donc, moi, qu'est-ce qui m'est déjà arrivé? C'est que j'ai pris ma pile d'examen, je les ai mis sur le dashboard, là, sur le, 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 le tableau de bord de ma voiture, j'ai parti le chauffage, puis l'examen est venu blanc. Ça efface à la chaleur, ces stylos-là. Mais c'est dangereux, ça, vous là, écrivez avec euh, votre stylo effaçable, puis mettez-le sur la chaufferette ou sur, un, sur quelque chose de chauffant, ça va complètement devenir blanc. C'est dangereux, c'est pour ça que je ne recommande pas ça pour les examens. Un bon vieux crayon de plomb. Puis ce qui est bien avec crayon de plomb, ça n'efface pas à l'eau non plus. Ok, quelle heure est-ce Oh, déjà 7h32. Oh, je vais vous donner la pause. Retour à 7h50. Prenez la pause et après la pause, on va terminer la matière. Là, vous allez voir, il ne reste pas grand-chose. Les exemples de la page d'après, je vais les garder pour la semaine prochaine. Puis on va aller directement faire taux effectif. Donc, euh, prenez la pause, puis pendant la pause... J'avais eu des questions de Nicole, hein, je pense tu avais une question pour moi Nicole. Oui. Une question. Au en fait, euh, c'était par rapport à, aux exercices sur les taxes. Ah, sur les taxes. Ah oui Le principe, la méthode, la méthode, c'est correct, c'est simplement pourquoi on utilise cette méthode-là. Ben, en fait, oui et non. On refait le calcul de... C'est comme si on faisait le calcul de taxe deux fois. Ça, je suis d'accord, mais pour deux raisons différentes. La, la première fois, la raison, c'est que, par exemple, pour le 8549 et 52... Euh, OK, euh, ouais, je vais peut-être le, le mettre dans Paint. Je vais aller juste utiliser mon outil de capture parce que j'aimerais ça pouvoir écrire dessus. Je vais aller chercher Paint. Euh, oui, puis pendant que je vais chercher Paint, pour les autres, hein, on est en pause. <laughs> C'est juste, juste que nous, on aime tellement les maths euh, qu'on continue. <laughs> euh, je vais aller dans Paint. Je vais le mettre dans Paint comme ça, je vais avoir de l'espace pour pouvoir travailler, tiens. Et voilà. Donc euh, pour le 8000, maintenant je fais juste la semaine 1, là. je ne ferai pas toutes les semaines, là, parce que bon, ça ne vaut pas la peine. En fait, c'est que le 8549 et 52, c'est pas 100% du montant, cette chose-là. C'est pas égal à 100%. J'ai marqué égal à 100%, mais ce n'est pas vrai que c'est 100%. C'est 114.975%. Puis pourquoi c'est 114.975? C'est parce que les, les, les taxes. Oups, taxes c'est égal à 5% plus 9,975%. Donc, c'est dû au fait que c'est TPS plus TVQ. Puis, si on additionne les deux, on arrive à 14,975%. Donc, si on prend le montant d'origine, additionner des taxes, bien, on a 114,975%. Puis, ça, en fait, si on le divise par 100, là, vu que c'est un pourcentage, c'est 1,975%. 1, 4, 9, 7, 5 fois le montant d'origine avant-taxe. Donc, en parenthèse, avant-taxe. Donc, ce qu'on a fait pour obtenir ça, ben, ce qu'on a fait pour obtenir le 8 549,52, ben, c'est qu'on a pris le 1,1, 1, 1, 1, 1, 4, 9, 7, 5, et on l'a multiplié par le montant d'origine que je peux appeler M. Puis en multipliant M par ça, on a obtenu 8549.52. Puis là, la question, c'est de trouver M, le montant d'origine. C'est pour ça qu'on divise par 1.14975, pour isoler le M, en fait, pour annuler une multiplication, en fait. C'est choquant hein? Donc là le M le montant d'origine c'est 8549.52 dollars qu'on divise par le 1.14975 1.14975. Ça ça donne le montant sans les taxes, je peux le calculer vite fait, je l'ai pas fait. 8549.52 divisé par 1.14975. J'arrive à 7 435,981735 oui. dollars sans taxe, avant taxe. Donc euh, c'est ça, ça nous permet de trouver le montant avant taxe. Puis pourquoi je veux ce montant-là avant taxe Ben l'objectif c'est de trouver séparément la TPS et la TVQ, c'est un des objectifs. Ce n'est pas le seul objectif, mais un des objectifs, c'est de trouver la TPS et la TVQ séparées, parce que vous, en tant que courtier, vous allez devoir envoyer la TPS au fédéral puis la TVQ au provincial. Puis ça, on ne peut pas l'obtenir du 8000 de départ. C'est ça qui est plate. À partir du 8000, on ne peut rien faire parce que le 8000 inclut les deux taxes à cause du 14975. Fait que, fait que là, c'est dur d'extraire de, la TPS, puis la TVQ, puis sont comme mélangés ensemble dans le 8000. Puis en plus de ça, en plus d'avoir mélangé TPS, TVQ, on a le montant d'origine qui est mélangé. Donc tout est mélangé dans le même panier. Donc c'est pour ça que moi, j'aime mieux me débarrasser, c'est ça, me dissocier, me débarrasser des taxes. OK, je me suis débarrassé des taxes une fois qu'on a le montant avant taxe, le M, ben là après ça, si on veut la TPS, ben là ça se fait bien. Pour aller chercher la TPS, on fait le M fois 0,05. Puis pour aller chercher la TVQ, ben M fois 0,09975. Puis on va chercher la TVQ. C'est une question de préférence personnelle puis de simplicité.

Puis vous allez devoir fa faire des factures où la TPS et la TVQ vont être séparées. C'est obligatoire. Ça ne changera rien, exact, parce que maintenant que les taxes sont harmonisées, on fait les deux calculs séparés maintenant. Avant, avant, il fallait faire le, la TVQ après la TPS. Mais aujourd'hui, c'est plus grave. On peut faire dans l'ordre qu'on veut. Merci beaucoup, plus clair. Ben, ça fait plaisir. Et en plus, on a les enregistrements. Là, si jamais vous oubliez, ben, ça fait beaucoup de matière. Hein. Juste pour maths immobilière, c'est déjà beaucoup. Ah, A50, ben oui, je peux vous le remettre là. Je vais vous remettre ça. Je... Ouais, moi aussi, je vais me faire un petit thé euh, japonais, si vous me permettez. Un euh, bon thé vert japonais. Et je vous reviens dans quelques minutes. Je vais me tasser, je vais me faire disparaître. Et à tout de suite. Okay, ok me revoici me revoici mais je suis en avance hein, je pense je vais attendre un peu avant de recommencer on va attendre quelques minutes mais il nous reste pas grand chose euh, puf 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 euh, ouais je vais peut-être juste faire le F avec vous autres à la page suivante je vais garder le D et le E pour plus tard mais je vais faire au moins le F avec vous autres avant de faire le taux effectif. Donc, il me reste deux exemples à faire avec vous autres. Donc, ça devrait vite euh, se passer. Et je vais remettre le retour 7h50 en attendant que les gens se reconnectent. Donc, c'est ça que je disais avant la pause, hein, bien évidemment. Euh, on va avoir beaucoup de changements cette année au niveau des taux d'intérêt. Donc, c'est quelque chose à surveiller là, pour nous là, en immobilier. On va surveiller les taux d'intérêt. Ah, Jacqueline. Oui. Oui. Ah oui, 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 je réponds aux questions, bien évidemment. Donc, euh, c'est ça, encore une fois, là, je, je répète. Si jamais vous êtes bloqué, que ce soit au numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bon, il n'y a pas 12 numéros, là, quand même. <laughs> C'est juste pour faire paniquer les gens qui ne l'ont pas commencé encore. <laughs> oui, oui. Euh, Parmi vous, par Teams, euh, ça va me faire plaisir de vous répondre. Par contre, ça va peut-être aller à demain parce que, c'est ça, après le cours, euh, fort probable que là, il va falloir que j'aille... Euh, J'ai encore quelques trucs à faire là, après le cours. Il faut que j'aille publier l'enregistrement, faire quelques trucs. Mais... Ouais. Ouais, c'est ça que je me disais là. Mais demain matin, je vais répondre. Donc, ça me fait plaisir de vous répondre. Hein. Peu importe les questions, que ce soit pour des devoirs qui comptent, des devoirs qui comptent pas. Parce que mon objectif, c'est vraiment pas de vous faire couler. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment de vous amener à euh, un niveau supérieur de... Euh, de, un niveau supérieur en mathématiques. C'est vraiment pour acquérir tranquillement des outils que vous allez mettre dans votre boîte à outils. Puis en sortant du cours, vous avez plus d'outils qu'en y entrant. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, euh, oui, je réponds aux questions. Même des devoirs qui comptent. Puis ça me fait vraiment plaisir de le faire. Fait que euh, n'hésitez pas hein, par Mio, par Teams. Euh, vous pouvez même m'envoyer des photos de vos calculs. Il y en a qui m'ont envoyé des photos. Euh, Ah, ben c'est parfait. Sur moi, quand j'ai une photo, c'est encore mieux parce que je peux voir, tu sais, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été moins bien fait. Puis je peux vous indiquer aussi à quel endroit il y a un problème. Ben, ça fait plaisir. Ah, vous avez le droit à la règle de 3, bien évidemment tant que c'est mathématiquement valide, vous pouvez l'utiliser. Donc euh, permettez-vous permettez-vous d'utiliser même si vous connaissez des méthodes différentes que vous avez appris euh, quand vous êtes dans, dans votre jeunesse là, puis, euh, que vous adoriez les maths là quand vous étiez plus jeune comme moi- là, et que vous étiez friand de problèmes mathématiques. Utilisez vos méthodes de jeunesse, là, ça me fait vraiment plaisir. Là. Moi, je ne veux pas vous euh, imposer une méthode, absolument. Permettez-vous. Okay. Ben, moi, je, je comprends que c'est à cause d'utiliser les raisons mathématiques, mais quand je voyais des questions, je disais, ben, pourquoi je dois calculer ça? Je vais tout simplement demander au client de voler le fichier, et puis voilà. <laughs> ah, ben oui ben oui, mais là, on n'ajoute pas des, des outils à notre coffre. <laughs> évidemment. Évidemment. C'est ce qu'on ferait dans la vraie vie. En plus, dans la vraie vie, au moins, on est certain d'avoir le bon montant quand on fait ça. Donc euh, c'est bien, mais d'un autre côté, savoir comment le calculer, ça permet d'expliquer le montant au client. Parce que le client, ça se peut qu'il vous dise "Ben, là, ce montant-là, là, pourquoi est-ce qu'on me charge 12 500 dollars en, en, en frais de remboursement anticipé Là, pourquoi est-ce qu'on me charge ça en frais de pénalité C'est une bonne question. Puis euh, souvent, les gens me disent « Ouais, mais là, c'est la, 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 la tâche du banquier d'expliquer ça. » Oui, je suis d'accord que le banquier doit expliquer ses frais. Mais vous, vous êtes la personne sur le terrain qui a le contact client permanent. Fait que c'est vous qui allez être bombardé de questions, c'est pas la banque. <laughs> la, la banque, ça va être euh, « Ah, votre appel est important pour nous, patientez, parce que nous avons euh, beaucoup, beaucoup d'achalandage. » Oui, Chopin. Chopin ou Beethoven, exactement. Votre appel est important pour nous. Veuillez patienter pendant que nous traitons euh, un flux anormalement élevé d'appels. Exact. Ah, ça ne fonctionne pas, je peux vous montrer. C'est... Euh... Bien, bien, euh, une bonne idée d'aller voir. Puis là, je vous partage le Teams, mais c'est pas ça que je veux vous partager. Là, je suis en train de vous partager Paint, mais c'est pas ça que je veux vous partager. Faudrait que je trouve qu'est-ce que je veux vous partager. Hein. Euh, ouais, il faut que j'aille ici, faut que j'aille dans Moodle, puis faut que j'aille dans, euh, p -p 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 -p. faut que j'aille dans, 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 mathématiques immobilières, hein, bien évidemment. Et c'est ça, le travail en ligne est dans la semaine dernière, il me semble. Juste la simulation 1, plutôt. La simulation 1 est dans la semaine du 24 janvier au 30 janvier. Puis si vous regardez, elle est juste ici, la simulation numéro 1. Vous pouvez soit la faire en Word ou la faire imprimer et la faire manuscrite. C'est à votre choix. Hein. Donc, euh, soit dans Word ou... Euh, Ah, ah, dans les deux formats ça fonctionne pas. Ah, ben je, je pourrais euh, vous l'envoyer par Mio en plus, peut-être que ça va aider. Ouais, je vais faire ça après le cours. Je me prends une note sim1 par Mio. C'est curieux que ça fasse ça par Moodle. Habituellement, par Moodle, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu ce bug-là avec la simulation 1? Bien, je vais vous dire que quand je l'ouvre, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, puis ça me demande d'enregistrer le fichier sous. Euh, je choisis l'emplacement et quand c'est le temps de l'ouvrir, il n'ouvre pas. Ah. Bizarre, dans les deux formats, autant en Word qu'en PDF. Ouais. Ah... Et Parce que moi, ça fonctionne. Euh, je peux cliquer dessus. là Je vous montre ça. Bam. Ça ouvre. Oui, fait, imprimé ou, oui ou sinon, imprimer carrément. Bonne idée. Bonne idée. Puis après ça, vous pouvez m'envoyer un, un scan de votre travail. C'est une autre façon de faire, oui. Tout à fait. Pour ceux qui préfèrent. Puis je vous dirais la simulation 1. Euh, Prenez-vous d'avance parce que si vous essayez de la faire dimanche soir, vous allez peut-être euh, trouver ça euh, costaud là, si vous le faites trop euh, dernière minute. Mais je vous dirais, autant la question 1, question 1, ça se fait quand même assez vite, là, c'est des taxes. Euh, question 2 aussi, se fait quand même assez vite. La question 3, à partir de ce soir, vous êtes en mesure, c'était la dernière question que vous n'étiez pas capable de faire, là, mais euh, intérêt composé. On vient de le faire. C'est juste qu'il faut faire attention que là, c'est trimestriellement, hein? bien évidemment. Donc, il faut aller chercher le, la bonne valeur de M. Mais vous devriez être en mesure de le faire. La dernière chose qu'il fallait que je vous présente, c'était le B. Donc, comment faire le B? Parce qu'on vous dit d'utiliser euh, la formule du taux d'intérêt effectif. C'est la dernière chose qui me reste à vous présenter là, avant que vous soyez en mesure de faire ça. Le reste, ça se fait. Ça aussi, le 4, c'est un problème de pourcentage. Et là, le gros morceau, c'est le 5. Je l'admets parce que là, il y a de la géométrie. Il faut calculer l'air, calculer le périmètre des trois figures. Mais bon, c'est quand même. Euh, c'est pas non plus euh, infernal. Là. Ça se fait. On en a fait des similaires ensemble. Donc, euh, ça se fait quand même assez bien. Puis, si jamais vous bloquez, hein, comme j'ai dit. Et ça, ici, quelqu'un m'a posé la question est-ce que c'est un demi-cercle la réponse est oui. C'est un demi-cercle. Donc, c'est la moitié de la formule du cercle, évidemment. Donc, euh, ça, ça se fait quand même bien. Puis le dernier, le dernier aussi, quand même, se fait assez bien. On en a fait des similaires euh, sur Moodle. Donc, vous pourrez regarder le tout. Mais très bonne question. Très, très bonne question. C'était euh, Gladys, hein, je pense, qui m'avait posé la question. Très bonne question.

Euh, au niveau de la correction, je vais vous envoyer une grille complète et détaillée. Donc, ça me prend un peu de temps à corriger la simulation 1. Le travail en ligne, je vais le corriger rapidement. J'admets là, parce que c'est juste des réponses. Fait que ça, ça va arriver dans le courant de la semaine. Mais la simulation, ça peut me prendre jusqu'à deux semaines, là, malheureusement, parce que je vais vraiment corriger tous les détails de votre démarche. Fait que euh, ça me prend plus de temps. Je m'excuse. Est-ce que vous êtes choqué? Ah, comment ça fonctionne Bonne question, bonne question, bonne question. En fait, qu'est-ce qui va arriver C'est que cette semaine, je vais repasser tout le monde, au travers de tout le monde. Puis, une fois que j'aurai fini tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous euh, dire, OK, vous pouvez recliquer dessus dans Moodle. Et quand vous allez recliquer dessus, pas encore, là, une fois que j'aurai fait le travail de repasser au travers, vous allez pouvoir voir la bonne réponse. Moodle va vous afficher la bonne réponse ainsi que la bonne démarche pour les problèmes que vous n'avez euh, pas réussi, là, autrement dit. Donc c'est en retournant le, voir votre tentative sur Moodle que vous allez pouvoir voir la correction. Oui. Oui oui oui, vous allez pouvoir voir votre note directement dans Moodle aussi. Donc autant la correction que la note va être dans Moodle, mais la note bien évidemment, je la mets sur Léa aussi. Je la mets sur les deux là. Je... Donc vous allez pouvoir voir ça, mais là c'est pas encore fait là évidemment parce que là il faut que je repasse au travers, c'est pas corrigé automatiquement, c'est moi qui c'est moi qui corrige manuellement vos devoirs. <laughs> ah, mais moi, ça m'amuse, j'aime ça. Ah, il y a Yu qui a une question. Oui, j'ai euh, une question euh, concernant les tests. Il faut chercher. Et je vais regardé, on connaît le P, le S, et, et on connaît le G, mais euh, on demande le N. Oh, oui! Il faut faire essai-erreur, malheureusement. Essayez des valeurs jusqu'à ce que ça marche. C'est le seul moyen. Ou sinon, il va falloir que je vous parle des logs, des logarithmes. Okay. Log. C'est log. ben, ça. Puis, on n'a pas le temps de voir les logarithmes. Mais si j'avais le temps, je vous ferais voir les logarithmes. Oh oui, dans le formatif, dans le formatif parce que je je sais que Yu est déjà en train de faire le formatif là. Oui, moi aussi. Mais sauf que je vois que ça me donne une message, Je ne demande probablement que ça répond à tout le monde, bien sûr, mais parce que je l'ai fait comme deux, trois fois, puis il me donne le même la même chiffre, mais il ne l'accepte pas. J'ai essayé avec virgule, sans virgule, avec deux chiffres avec la virgule piste. Ah. Ah, je pourrais vous le montrer plus tard. Ouais, je pourrais regarder ça avec vous un peu plus tard. Ouais, bonne, bonne question. Mais avant de faire ça, il me restait deux exemples à faire avec vous pour conclure le tout puis vous envoyer sur Moodle. Je voulais faire le F à la page 38. J'ai sauté le D et le E. Je vais les faire la semaine prochaine, le D et le E. Là. Je vais aller directement à la page 38, faire le F. Parce que je voulais vous parler du taux effectif un peu avant qu'on se quitte. Fait que ce que je voulais faire avec vous, c'est vous sensibiliser sur le fait que la capitalisation va changer le montant final. Même si on a le même taux d'intérêt pour les 1, 2, 3, 4 situa situations. On a 12%. Donc, on a I égale 12%. On a P égale égal 1000 et on fait ça on place ce montant-là de 1000 dollars pour un an donc on a le a égale à 1 donc euh, un an à euh, 12% pour un montant original de 1000 puis là je vais vous montrer la différence entre une capitalisation annuelle fait que ça c'est m égale 1 ça c'est m égale 2 semestriel Trimestriel, c'est M égale 4. Et mensuel, c'est M égale 12. Puis je voulais vous sensibiliser sur qu'est-ce qui va se passer si la seule chose qui change, c'est la valeur de M. Le reste, ça reste exactement la même chose. Fait qu'il n'y a rien qui change sauf le M. Puis là, ce qui est intéressant, c'est comme mon A égale 1, puis que vous savez déjà que le N, c'est égal à A fois M. Ben, quand on va venir multiplier le 1 avec le m, ben, ça veut dire que le n de l'exposant, ça va juste être égal au m. Donc, juste à la valeur de m dans la situation où le a vaut 1. Donc, euh, ça nous permet de sauver du temps pour nos calculs. C'est pour ça que j'ai choisi un an seulement. là C'est pour aller plus vite un peu. Puis, euh, c'est ça, je vais faire le premier. Donc, on vous dit que la capitalisation est annuelle. Donc, quand la capitalisation est annuelle, ben Évidemment, le J va être égal au I. Donc le J va être égal également à 12 Parce qu'on capitalise juste une fois par année. Si on capitalise deux fois par année, il ben faut charger deux fois euh, 6 là, Je vais mettre une parenthèse. Là, je ne sais pas pourquoi. J'étais comme un peu trop euh, parti pour. Euh Oui, c'est la même chose. C'est des adjectifs, tout à fait. Si on le fait 4 fois, ben là, ça va être 4 fois 3 parce qu'on veut. Oups, il faut que je mette mon J. Hein. C'est 4 fois 3 puisqu'on va avoir 12 au total. Donc, le J va être égal à 3 parce que c'est 4 fois 3 égale 12. Puis finalement, si jamais on a une capitalisation hein, mensuelle, ben là, le J va être égal à 1% parce que c'est euh, 12 fois 1%. Donc euh, c'est ce que ça nous fait. Puis je fais pas tous les détails avec vous, mais je vous montre un peu euh, qu'est-ce que ça donne dans la formule. Si on remplace ça dans la formule du S pour la situation 1, ben là S va être égal à 1000, qui est le montant d'origine multiplié par 1,12. 1,12 parce que c'est 1 plus 12. C'est ça exposant 1 parce qu'on a une fois par année fois un an. Fait que ça va nous donner à la 1. Donc on va avoir un montant de 1120 si on capitalise euh, une fois par année. Donc euh, je ne fais pas tous les détails avec vous. C'est juste pour vous montrer la différence que ça va faire si on le fait une fois par année. Donc à 12% une fois 1000 d'origine, ça nous fait 1120. Si on le fait deux fois, ben là, ça va faire 1000 multiplié par 1.06 à la 2, parce que là, on charge 6% deux fois dans l'année. Puis en chargeant 6% deux fois dans l'année, vous allez voir, ça fait 11, euh, 1123,60 et 60 à la fin de l'année. Donc, vous voyez déjà, on fait 3,60 de plus en capitalisant deux fois par année. On fait 3,60 de plus. Là, vous allez me dire, ça fait pas une grosse différence. Mais fois 1 million de clients, ben, ça fait pas mal d'argent, quand même, pour les institutions financières. Quatre fois par année, ben là, on va avoir 1000 multiplié par 1,03. Euh, 3 fois 4, 12. Le tout exposant 4. Donc, on charge 4 fois 3 Ça, ça nous fait. 11,25.51 dollars. Fait que ça, déjà là, on augmente encore un peu le profit qu'on fait en capitalisant 4 fois. Fait que vous voyez que plus on va capitaliser, une fois par année, on fait 120, 123 et 60 pour deux fois, 125 et 51 pour quatre fois, puis je peux vous montrer pour 12 fois. Si on le fait, ça va faire S égale 1000 multiplié par 1.01. À la 12, ben là, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire 1126 et 83 fait que Vous voyez que ça augmente tout le temps. Ça augmente de moins en moins, mais ça va tout le temps augmenter. Puis euh, le produit qu'on peut composer le plus, c'est les cartes de crédit. Elles, elles sont euh, capitalisées 365 fois par année. Donc à chaque jour. Donc, vous voyez à quel point ça peut aller loin, là, la capitalisation. Là. Donc, euh, c'est ça, grosso modo. Puis qu'est-ce que ça nous fait découvrir? Ça nous fait découvrir que le taux d'intérêt affiché, le 12%, ben, en fait, ça peut être n'importe quoi comme pourcentage en réalité, parce que ça va venir dépendre de la valeur du M. Le M est très important pour connaître le vrai pourcentage d'intérêt. C'est pour ça qu'à la page suivante, on vous définit le taux d'intérêt effectif. Fait que Je vous le montre là. La formule à la page suivante, c'est la page 39. Euh, où est-ce que j'ai mis ma page 39? J'ai-tu perdu ma page 39? C'est ça ma question. Hein? J'espère que je n'ai pas perdu ma page 39. Vous, est-ce que vous l'avez perdu? <laughs> Et... Ah, la voici. La voici, la voici. Ma page 39. Donc, euh, c'est ça, la page 39, ben, on vous dit que dans l'exemple précédent, ben, ça nous démontre que euh, l'intérêt, la composition de l'intérêt influence le montant des intérêts. Donc, ça devient important de trouver c'est quoi le vrai pourcentage d'intérêt, parce que le 12 n'est pas la vérité, sauf dans un cas si on compose une fois par année. Donc, euh, ce qu'on veut trouver, c'est le taux d'intérêt réellement chargé annuellement. C'est ça qu'on veut trouver. Puis, je vous donne la formule. Elle est juste ici. Encore une formule. Vous allez me dire, ben oui. Puis, la formule, c'est la formule du R, donc le taux d'intérêt réel ou le taux d'intérêt effectif. Donc, c'est un synonyme, là, effectif ou taux réellement chargé. C'est le petit R. Le petit I, ben, c'est le taux d'intérêt annuel. Le M, c'est le même M, le J, c'est le même J. Puis, euh, bien évidemment, il se calcule comme ça, le J. Et ça, c'est la formule du R qui nous donne le taux d'intérêt réellement chargé. Puis, si vous avez à comparer des taux, c'est ce qu'on vous demande dans la simulation. Là. Dans la simulation, on vous demande de simulation numéro 1. Euh, ça, c'est au niveau du problème 3. 3B. On vous demande de comparer des taux. Ben, vous devez toujours utiliser cette formule-là pour comparer des taux. Parce que vous ne pouvez pas conclure juste en regardant le i. Parce que le i ne nous, nous donne pas l'information de la composition de l'intérêt. Donc, euh, est-ce que vous me permettez de faire cet exemple-là Avec les trois offres. Mais restez juste ça à faire avec vous. Fait que le 9 ça, c'est le I. Puis le 2, c'est le M. Fait qu'on vous donne un 9% deux fois par année. Bien, ça, ça vous fait un J qui va être égal à 4.5. Donc, 2 fois 4,5, ça fait 9%. Pour la Banque nationale, c'est un 8,9 divisé par 4. J'arrive à un J égal à 2.225%. Puis finalement, 8.85 divisé par 12. Hein. C'est toujours une division qu'on fait. On fait diviser. Pour lui, on fait diviser. Puis pour lui, on fait diviser par 12. Lui, j'arrivais à J égal à 0. 73, 75 Fait que j'ai commencé par calculer mes J en divisant le I par 2, I par 4, I par 12. Fait que ça, ça vous donne vos 3J. Puis pourquoi on a besoin du J? C'est parce qu'il faut se souvenir qu'on doit utiliser la formule du R qui est le taux réel. Le taux réel, c'est toujours 1 plus J à la M moins 1. Ça, c'est un vrai 1 ici. Là. Fait que ça, c'est un 1, puis ça, c'est un 1. Puis je vais le faire pour les trois. Donc, euh, je vais débuter avec euh, le premier, là, le premier, euh, qui est la Banque de Montréal. Vous allez voir que ça se fait bien. Là. Il s'agit juste de remplacer dans la formule. Donc, pour le premier, on va l'appeler R1. Le R1, ça va être égal à quoi? Bien, ça va être égal à 1 plus la valeur de J qui est 4, 5%, donc 0, 0, 4,5 donc 0.045. Le tout exposant le m qui est 2 et on va faire moins 1 à ça fait que ça va vous donner 1.045 à la 2 moins 1 donc moi ça m'a donné 1.09 il faut garder beaucoup de décimales dans ces calculs là fait que ça me fait 1.092025 moins 1 donc, j'arrive à 0.092025. Donc, c'est environ 9.2025%. Le taux réel. Donc, on peut dire hein, que c'est 9.2025% comme taux réel. Donc, le taux réel d'un de 9% deux fois par année ça fait 9.2025 25 C'est le taux réellement chargé euh, à la Banque de Montréal. On peut faire la même euh, calcul pour la Banque nationale. Fait que étape 2, on va aller chercher le R2. C'est le même principe. Il faut faire 1 plus le pourcentage qui est 0,02225. Le tout maintenant à la 4, fait que ça, ça va vous donner... Euh, moins 1. Hein, J'allais oublier le moyen. Le moyen est important parce que vous remarquez que le moins 1 permet de se débarrasser du 1 que là. Ça, quand on fait moins 1, ça nous donne 0. Point quelque chose. C'est ça notre objectif, en fait. Donc, euh, moins 1, ça va donner quoi? Mais moi, ça va donner 1.09 2, 0, 1, 4, 6, 8, 1, moins 1. Puis quand on fait ça, ben, ça nous donne environ 0,092014683 petits points. Fait que je, le, je vais le laisser en décimal lui, mais on voit que c'est 9,201468 comme pourcentage. Fait que là on se retrouve avec un pourcentage un peu plus bas. Que le 9.20 parce que l'on est à 9.20 68 tandis que l'on est à 9.20 25 Puis finalement le troisième R3 ben on fait la même chose 1 plus euh, 0.007 le tout à la 12 moins 1 moi ça m'a donné 1.0921

Bon, j'ai failli faire un 520, mais c'est 512. Puis là, ce qu'on nous demande de comparer, c'est lequel des trois qu'on a obtenu est le plus élevé, parce qu'on veut placer notre argent. Fait que ce qu'on cherche à savoir, c'est entre le 0.092025, le 0.09201468, et le 0.092179, lequel est le plus élevé. Ben, si on regarde les décimales, lui c'est 920, lui c'est 920, puis lui c'est 921. Ça veut dire qu'on est un petit peu plus élevé en choisissant la caisse populaire. Donc la conclusion, c'est en regardant les trois offres qu'il y a ici, la meilleure offre est... La caisse populaire. Pourquoi? C'est la caisse populaire? Parce que elle, elle offre un taux d'intérêt d'environ 9,21. Si on le traduit sous format, je ne les ai pas tous traduits, j'avais traduit, traduit celui-là sous format de pourcentage. Mais lui, sous format de pourcentage, c'est 9,21 79 512 d'intérêt. Euh, mon 7 n'est pas très joli. Là. Je vais refaire mon 7. Mais ça fait que c'est celui-là le plus élevé des trois. Qui est le taux réellement chargé annuellement. Euh, ben, réellement fait annuellement pour le placement. Donc euh, c'est ça grosso modo. C'est une formule de plus. Est-ce que ça vous va pour la formule euh, du taux effectif? C'est juste ça. C'est tout. Puis, dans le, la simulation 3, vous avez à la faire pour les deux placements. Puis, me dire lequel des deux donne le chiffre le plus élevé. Euh, oui, ça complète. Je prends les présences, par contre, avec le formatif. Donc, euh, je vous invite à aller euh, ouvrir le formatif. Je vais vous le montrer euh, rapidement. Là. Euh, je vous in... Ah, ok, ok, ok. Attendez deux secondes. Je vais juste vous montrer Moodle dans quelques secondes. Je vais tasser ça. Puis je vais vous montrer Moodle. Parce qu'il y a des choses intéressantes aussi sur Moodle. Si vous allez voir, là, dans la semaine du 31 janvier, ben, vous allez voir que j'ai deux formatifs. Mais moi, je veux que vous fassiez celui sur l'intérêt composé, pas de calculatrice. Pourquoi? Parce que celui formatif intérêt composé calculatrice, je l'ai mis là, mais je l'aurais dû le mettre la semaine prochaine, en fait. Parce qu'on n'a pas vu comment faire l'intérêt composé avec la calculatrice. Si vous souhaitez prendre de l'avance, vous pouvez aller voir cette vidéo-là, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que la semaine prochaine, on va refaire ça ensemble en classe. Mais si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez regarder cette vidéo-là, puis débuter le formatif sur la calculatrice. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est celui sur l'intérêt composé que je juste ici. Donc, allez cliquer là, puis ça me permet de prendre les présences, ça fait que ça me permet de voir que vous êtes réellement actif dans le cours, parce que sinon, quand je prends juste la liste des présents, les gens partent le cours, puis ils vont faire la vaisselle ou euh, ils vont aller faire d'autres choses, malheureusement. Ça fait que je préfère vous voir cliquer au moins à quelque part. Donc, cliquez dessus, puis euh, vous allez voir dedans. Je vais continuer le test. Vous allez voir dedans. J'ai mis quatre questions. Donc, euh, sur euh, euh, l'intérêt composé. Puis, est-ce que vous vouliez, est-ce qu'il y en avait qui étaient bloqués à quelque part là-dedans ou vous étiez euh, totalement en harmonie? Ah ben on peut le faire ensemble, ça me fera plaisir. Je vais juste le, le copier. Je vais juste me faire un nouveau. Un new snip. Puis je vais juste mettre ça ici. Ah pas du tout, pas du tout. Non, 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 je suis très heureux de rester. C'est après 9 heures que je vais travailler parce que c'est mon heure habituelle, 9 heures pour débuter le travail. <laughs> Donc, c'est après le cours à 9h que je vais me mettre à travailler un peu. Mais c'est parce qu'il faut que je publie la vidéo, il faut que je fasse des petits réglages, mais ça, ça va être à 9h. Donc, ça me fait plaisir de rester avec vous jusqu'à 9h pour travailler sur ça, sur ce petit formatif-là. Donc, euh, question 1, on nous demande quel serait le montant accumulé au bout de 10 ans. Ceux qui veulent l'essayer par eux-mêmes, avant que je le fasse, vous pouvez fermer votre son. Ou enlevez vos écouteurs comme ça, vous enlevez vos écouteurs puis euh, vous l'essayez par vous-même si vous préférez là. Parce que là je vais comme vous, euh, vous divulgacher. Est-ce que vous connaissez ce mot-là? Ah oh, non, 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 non. Ah oh, non, je veux divulgacher. Ben, c'est pareil, c'est aussi agréable qu'un film, bien évidemment. Mais je trouve ça intéressant, mais je vais Super, ceux qui veulent juste me regarder, vous divulguer euh, le problème, vous pouvez également regarder. Là. Ceux qui sont trop fatigués pour l'essayer par eux-mêmes, vous pouvez me regarder. Vous avez trouvé ça sûrement intéressant à regarder. Euh, bon, ben, je vais regarder qu'est-ce qu'on a. On nous demande quel sera le montant cumulé au bout de 10 ans, donc on a le nombre d'années. Si on plaçait une somme de 5000 à un taux d'intérêt 3.25 composé 12 fois par année. Donc, on veut le montant accumulé. Oh! Quelle lettre cherche-t-on? Le S, exactement. C'est le S qu'on cherche. Ah, je vais peut-être l'écrire à, à la main. Comme ça, avec le A, ça fait plus clair. S égale point interrogation. C'est ce qu'on cherche. On cherche la valeur finale capital plus intérêt. On nous donne le A qui est de 10 ans. Après ça, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le P qui est de 5000, qui est le montant de départ. Hein? Donc, on place une somme de 5000 pour 10 ans. Ensuite, on nous donne le I qui est égal à 3,25 Ça, c'est le taux annuel. Ensuite, on nous donne le M qui est égal à 12 puisqu'on compose 12 fois par année. Donc, on fait de l'intérêt sur l'intérêt 12 fois par année. Et ça, ça nous permet d'aller chercher le J qui va être le 3.25 divisé par 12. Hein? Et ça, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire dans ma calculatrice. 3.25 divisé par 12. Euh, oh, ça donne beaucoup de chiffres. Je vais devoir stocker. 0.27. 0, 8, 3, 3, 3, je vais mettre 3 petits points. Et ça, c'est en pourcentage. Il faut en plus le diviser par 100 pour l'avoir en décimale. Donc en décimale, ça va être 0,0027, 0, 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 petits points. Mais là, comme il y a bien, bien des décimales, je stocke STO1. Je vais le stocker en 1. Divisé par 100, STO1. Parce que là, il y a trop de décimales là, pour retranscrire ça à chaque fois. Là. Ça va être juste trop fastidieux. Et pour le N, le N est égal au A fois M. Fait que dans mon cas, ça va être 10 fois 12. Ça fait 120 versements. Parce qu'il y en a 12 par année pendant 10 ans à imaginer à la main sans la formule. Quelle douleur ce serait. 120 lignes, comme tantôt. Ça n'aurait juste pas de bon sens. Là. Donc là, je vais me monter. Je vais juste me. Je vais me laisser là ici. Là, mais je, moi, je vais me monter comme ça ici. Comme ça, je vais avoir de l'espace pour travailler. Voilà. Donc, euh, c'est ça. On utilise la formule, hein, la formule classique là, du S qui est égal à P multiplié par euh, 1 plus J. Là, j'y vais à la souris. Hein. Le tout à la N, parce que je suis pas capable de faire d'exposant au clavier. Là. Donc, euh, le S va être égal au P, qui est de 5000. On a 5000 ici, là. Multiplié par 1, plus. ben là, quand je vais vouloir faire mon calcul, je vais devoir faire recall RCL 1, parce que je l'ai stocké en mémoire 1, mon J. Et après ça, je vais devoir le mettre à la 120. Donc, il euh, va falloir que je fasse 1 plus recall 1. Puis ensuite, je vais le mettre à la 120, ce montant-là. Puis je vais vous dire tout de suite, qu'est-ce que ça me donne Je vais dire, S est égal à 5000. Puis je vais aller faire le calcul vite fait sur ma calculette. Là, je ne l'ai pas encore fait. Euh, multiplier, lui, il va être multiplié par le résultat de cette euh, addition-là. Si je fais plus 1. Exposant 120, j'arrive à 1,38. Arrivez-vous à ça? Oui, oui, oui. 1,38. Mais là, j'ai beaucoup de décimales. Oui, oui, ça. 34, euh, oui, ça. 22, euh, 3 petits points. Je mets trois petits points, là. 24, 25, 25. Moi, j'ai 38, 34. Je vais recommencer. Divisé par 100. OK. Puis là, je fais sto 1. Puis là, je fais ça plus 1. Puis je mets ça exposant 120. J'arrive à 38, 34, 22, euh, 759. fait que je viens de valider que c'était bon. Puis je fais x 5000. Puis en faisant x 5000, j'arrive à quoi? Mais j'arrive à S égale 6917. Puis j'arrondis, là. Je vais mettre une vague. 6917.11. Arrivez-vous à ça? Ben c'est là ça n'arrivait pas pour moi parce que probablement, pas tout. Ah, les décimales! Ah, L'importance des décimales. Oh! Il manquait de décimales. Il faut prendre toutes les... C'est pour ça que j'ai stocké en mémoire. J'ai fait STO1. Et là, j'ai la preuve. Vous pouvez même voir sur ma calculette la réponse. gardez moi ça sept Voyez-vous, là? J'ai la preuve. Donc. Euh... Oh, c'est dangereux, ça. C'est dangereux, c'est dangereux. Il y a des gens qui ont fait ça avec Trump. Ils l'ont cru sur parole, puis ça n'a pas marché. <laughs> oui, 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 exact. <laughs> Euh. Bon, fait est-ce que ça marchait dans Moodle, euh, ce montant Je vais le tester, 6917. Oh, ça marche, hein Superbe, superbe, superbe. Est-ce que vous avez eu le temps d'essayer le 2 Ou vous vouliez que je le fasse. OK, on peut procéder. Dans ce cas-là, je vais faire le 2. Le voici. On peut faire le... On peut faire le 3? Aussi, on va y arriver. Hein. Mais je, je passerai par le 2 avant. Ça vous va si je commence par le 2 Ah, j'entends des voix, j'entends des voix, attention. Je vais aller voir c'est qui, je vais aller voir c'est qui. Ah, c'est Naoufal Question Ah, ok. C'est un... accroché le micro, c'est pour ça. Ah, pas grave, pas grave, pas grave. Je voulais juste voir c'était qui. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande combien de temps, donc on cherche le n. Nous faudra-t-il pour accumuler? On nous donne le montant final et on nous donne le montant initial et le pourcentage d'intérêt composé annuellement. Ça, c'est quand même très agréable composé annuellement parce que euh, ce qu'on cherche, c'est le n. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va être égal au a. Dans ce cas-ci, fois m, mais comme le m vaut 1, bien, ça va juste être égal au a. Parce que, car M égale 1, puis quand on multiplie un nombre par 1, ben, ça ne change pas sa valeur. Donc, ça, c'est très, très agréable à ce niveau-là. Le S est égal à 36 175,71. Le P est égal à 15 000. 15 000. Le I est égal à 4,5 et tout ça, tout ça, tout ça nous permet d'aller chercher le J. Mais ce qui est agréable également, c'est que le J est également égal au I. Est-ce que vous me suivez? Que ça pas? Quand on ici, quand on ah, ben ça revient au même parce que le N est égal à A dans la situation où le M... Parce qu'ici, ça, ça vaut 1 ici, là. Donc, euh, c'est un cas très particulier où le M vaut 1. Donc, le N est égal au A parce qu'on capitalise une fois par année. Donc, une fois qu'on a le N, on trouve le A, donc on a fini. Mais si jamais le M n'était pas égal à 1, c'est juste au, dû au fait qu'on a composé annuellement. Qu'on est capable de dire ça. C'est grâce à ça qu'il nous dit que M est égal à 1. Si on avait eu m égale 2, ben, là il aurait fallu l'isoler le A dans la formule du N. Donc euh, bon, il y aurait eu un peu plus de calcul, mais là, on a simplifié un peu la situation. Puis là, je vais calculer, là, je vais me dire, OK, bon, mais j'ai S est égal à P fois 1 plus J. Le tout exposant N. Mais là, le problème, c'est que je cherche l'exposant. Donc, c'est très problématique. Là, vous allez me dire, je vais mettre mes valeurs là-dedans. 36 175,71 va être égal à 15 000 multiplié par 1 plus 0,045. Là, vous allez me dire tout ça exposant N. ben Le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas le N. C'est ça. Puis pour isoler un N, à l'exposant, ça prend des logarithmes. Mais comme on n'a pas le temps de voir les logarithmes, on va procéder par une autre méthode. Est-ce que vous êtes prêts? Superbe. Ben je. Ah, oh, bien, oui, je pense que oui. Je pense qu'il y aurait des gens qui auraient pensé à ma technique. Non Il y a deux <laughs> <monde> que <laughs> Fait que je vais faire posons N égale 10 Là, vous, avez, vous me dites pas pourquoi? Ouais, mais on va, on, va, on va faire des bons guesses. On va faire des, des guesses. Euh, parce qu'on se dit quand même, pour passer de 15 000 à 36 000, ça doit prendre au minimum 10 ans. Là. Ça ne va pas prendre un an. On veut, on veut. Puis on pourrait même aller plus loin. On pourrait dire, posons 20. T'sais, ça a plus de sens. On y va. On va faire 15 000. On va faire S est égal à 15 000 multiplié par 1.045. Puis l'exposant qu'on va mettre, ça va être 20. Puis on va voir si ça marche. Je, je sais pas si je tombe direct dessus là. Ah, je tombe direct dessus. Je tombe direct dessus. Ben, sinon ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais commencé par euh, posons n égale 10. C'est notre seule méthode pour nous pour l'instant. Mais la semaine prochaine, on va voir une méthode beaucoup plus procédurale que du SRR. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a malheureusement. Là. Fait qu'on aurait pu essayer n égale 10. Après ça, n égale 15, n égale 20. Ça va être très très rare qu'on va mettre un n qui est fractionnaire. Ça va toujours être un nombre entier. Fait que, sachant ça, on peut faire des tests. T'sais, si on avait essayé n égale 10, là, on aurait fait 15 000 multiplié par 1.045 euh, exposant 10. Puis si on avait essayé lui, après 10 ans, ça nous aurait donné quoi? Je ne l'ai pas testé. 1.045 exposant 10 fois 15 000. Ben là, on aurait obtenu 23, 23 294.54 Fait que là, on sait qu'on n'attend pas assez longtemps. Fait qu'il aurait fallu attendre un peu plus. Fait que là, on aurait essayé 15. Puis là, après 15, on se serait rendu compte, que okay, c'est pas assez long. Fait qu'on aurait essayé 20. Puis là, oups, en voyant 20, ça aurait marché. Oui, mais on ne vous demandera pas de le faire comme ça. Là, pour l'instant, c'est parce qu'il nous manque des outils. Mais on les voit la semaine prochaine. C'est pour ça. La semaine prochaine, on va voir l'outil officiel pour calculer le N. Il y a une fonction de la calculatrice qui le fait automatiquement pour nous. En fait. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a d'intégrer, la calculatrice C'est ce qu'on appelle des logarithmes. Donc, pour isoler euh, le N, il faut utiliser des euh, logarithmes. Log mais là, ce n'est pas nécessaire de, de... Ah oui, question! Oui, euh, j'ai trouvé le log dans mon calculatrice, mais je ne sais pas comment il s'est mis. J'ai plusieurs reprises avec des compétences, j'avais l'intérêt d'arrêter Il est ici, c'est le LN. Oui, le euh, L-O-G, je pense. Non, c'est... LN à côté du 7. Okay, ah, pour le LN, ah, je vous le montrerai pas. <laughs> non, non, non. Ça, je, je risque vraiment de choquer les gens. Faudrait... C'est parce que normalement, quand j'enseigne les logarithmes, ça me prend un mois. Enseigner ça. Fait que je préfère ne pas... Ah, mais il n'y a pas de formule, c'est vraiment une méthode qui implique d'utiliser les propriétés des logarithmes. Mais on ne sait même pas qu ce que ça veut dire, un logarithme, on n'a pas eu le temps de voir ça, puis on n'aura on pas le temps, ça me prend un mois juste faire les logarithmes en classe. Euh... Okay. Fait que... Okay. Ah, pour faire l'exposant 20, ok oui, oui, bonne question, bonne question pour faire l'exposant 20, là. Pour faire le 1.045 exposant 20. Dans la calculatrice, ça c'est une bonne question par contre. Ça, oui, ça c'est très important. Dans la calculatrice, il faut entrer 1.045. Donc ça, il faut que ça soit déjà à l'affichage. Une fois que ça, c'est à l'affichage, après ça, on, on appuie sur la touche YX qui est euh, la touche au-dessus du 9. Et, et là, on peut rentrer le 20. Et après ça, si on fait égal, euh, je ne l'ai pas fait, je pourrais le faire, 1.045YX20. Ça donne 2.41. 2.41, oui. Ben, ça fait plaisir. 2.41, trois petits points. Ça, c'est important, par contre. Les logarithmes, oubliez ça. Là. Si vous voulez vraiment le savoir, vous chercherez ça sur YouTube. Euh, Logarithme sur YouTube, euh, vous allez passer des heures et des heures et des heures à vous plonger dans un univers fantasmagorique et très profond. Là. Mais ce n'est pas, pas matière au cours, là, ni à l'OASIC, évidemment. Est-ce que je peux vous faire le 3? Ah, superbe. Allons voir le 3. Qu'est-ce qu'on nous demande? Euh... Oh, pas évident le 3. Ah, ah oui, question. Est-ce qu'on fait juste cet exercice-là? Il y en a deux exercices dans cette cour -là. ce cours-là. Est-ce que le deuxième, on le fait aussi? Euh, Le deuxième, euh, sur Moodle? Oui. Oh, je vais faire les quatre. Ah oui 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 il y avait d'autres euh, exemples mais je les ai pas tous faits parce que je me disais que ça allait faire une bonne révision la semaine prochaine Ah possible 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 Ah oh, on n'a pas validé euh, 20. Voilà. <laughs> Et voilà, c'est validé. Euh, je voulais faire la 3 avec vous. Oh, la 3, c'est douloureux, douloureux, douloureux aussi. oh yoyoy yo. Ben oui, ben oui, il y a raison d'être choqué. Hein? Êtes-vous choqué présentement? On nous demande... À quel taux nominal doit-on placer 1000 composés semestriellement pour obtenir 25 000 dans 10 ans? Oh! Oh, Qu'est-ce qu'on cherche? Le I. Exact. On cherche le I. Oh, yo, 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 yo. Ouf! Mais on va commencer par trouver le J d'abord. une fois qu'on va avoir le J, on va pouvoir trouver le I parce que le I c'est égal. Euh, ben, il y a une formule entre les deux. Là. Fait qu'on va commencer par trouver le J, puis ensuite, ça va nous permettre de trouver le I, évidemment. On a le P qui est égal à 10 000. Ça, c'est valide. On a le S qui est égal à 25 000. Ça, c'est valide. On a le A qui est égal à 10 ans. Ça, c'est valide. On a le M qui est égal à 2. Ça, c'est valide. Et on peut également trouver le N en faisant A fois M. Ça nous fait 20 versements. Parce qu'on a 10 ans, 2 versements par année. Ça, ça c'est bon. Mais là, on n'est quand même pas très à l'aise. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais S est égal à P fois 1 plus J, le tout exposant le N. Ah! Oh yeah, on veut isoler le J, mais il est pris dans une parenthèse. Hein? Si vous remplacez vos données, là, vous allez vous rendre compte qu'on a 25 000 qui est égal à 10 000 multiplié par 1 plus J. J, c'est ce qu'on cherche, parce qu'une fois qu'on va l'avoir, on va pouvoir trouver le i. Mais tout ça est exposé en 20. Oh! On commence par quoi Oh, divise par 10 000, superbe. 25 000, on va venir le diviser par 10 000. Superbement exécuté. Pour annuler la multiplication à droite. Hein? Ça, c'est bien joué, bien joué, bien joué. 10 000. Tout ça va être égal à la parenthèse du 1 plus j à la 20. Bon, ça n'annule pas l'exposant le, 20, là. On n'est pas encore rendu là. Mais au moins, on se permet de diviser tout ça. Ça nous fait 2.5, hein. Qui va être égal au 1 plus j à la 20. Voilà. Mais ça, on est mal pris encore parce qu'on a un exposant 20 ici. Je ne sais pas si y en a qui savent comment annuler un exposant 20. 1 sur 20, exact. C'est comme ça qu'on annule. Donc, pour annuler, je vais l'écrire ici. Pour annuler l'exposant 20, on doit prendre un exposant 1 sur 20 à gauche de l'équation. Ah oui, question. Euh, non, j'arrive à 2.5. Ouais, ça fait, 20... ça fait 25 sur 10 parce qu'on peut annuler les zéros, c'est ça? Ah, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. On est tard, hein? des fois, ça m'arrive de faire des erreurs. Donc, pour annuler le 20, il va falloir prendre un exposant 1 sur 20. Qu'est-ce qu qu'il va falloir faire? C'est prendre 2,5 à la 1 sur 20. C'est ça qu'il va falloir faire à gauche. Puis je peux vous l'écrire ah, directement à gauche en fait. Il va falloir faire ça. 2.5 exposant 1/20 va être égal au 1 plus euh, 1 plus j. C'est comme ça qu'on se débarrasse d'un exposant 20. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout hein? ça vous rappelle pas des bons souvenirs euh, mathématiques non puis un divisé par 20 vous pouvez le faire là ça va vous donner euh, 0. Point, ça donne 0.05 c'est ça 1 vingtième 0.05 fait qu'il faut prendre le 2.5, puis le mettre euh, exposant 0.05. Puis ça, ça va donner votre 1 plus euh, j. Puis si je fais ça, je ne l'ai pas fait avec ma calculatrice, je vais le faire. 2.5 exposant 0.05. Ça me donne euh, un nombre, un euh, point. 0 46 88 0 235 ça vous donne tout ça vous autres aussi oui. Superbe. Puis là, il faut juste isoler le J en envoyant le 1 euh, de l'autre côté donc euh, oups, j'ai comme euh, accroché le mauvais bouton. Fait que si on envoie le 1 de l'autre côté, ben là on va venir soustraire 1 donc ça va vous faire un 0. Euh, 0,46 88 0235 qui va être égal au J en soustrayant le 1 de l'autre côté. Puis là, on n'a pas fini parce qu'on nous demande le taux nominal. Puis ça, c'est le taux effectif. Là, il faut se souvenir que le i est égal au J divisé par le M. Fait qu'en fait, le I est égal au J divisé par 2, parce que mon M est de 2. Fait qu'en fait, il faut que je multiplie ça par 2 pour avoir le i. Donc, le i va être égal à 2 fois euh, euh, 8, 8, 3 petits points. Je vais le faire. Fois 2, moins 1, fois 2. J'arrive à 0.i est égal à 0.09376047. Puis là, ils nous disent de donner une réponse en décimale avec quatre chiffres après la virgule, fait que la réponse finale, moi je mettrais 0.0938. Parce que j'ai un 7 ici, là. J'ai un 7 suivi d'un 6, fait que j'arrondirais à 38 au lieu de 37. Je sais pas si ça marche. Oui, ça oui. Que que de, de euh, oui, oui, il y en a sur Moodle. Euh, J'en Je ai, ai pas mis? Hein? Euh, non, non, non. Ah, ils sont là exercice sur l'intérêt composé. Si vous sentez le besoin, ah, ça fait plaisir. Si vous sentez le besoin d'en faire plus, j'en ai mis plus ici. Il y en a sept. Il me dit toujours. Superbe conseil. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il faut que ça devienne comme une habitude. Hey. oui moi aussi euh, non ils veulent la réponse parce qu'ils disent d'arrondir la, la réponse en nombre décimal fait que la réponse c'est ça ici c'est 0.0938. Mais ça c'est une technicalité là, c'est pas, c'est juste parce que, c'est juste parce que. Ah oh, oui. Mais là, la semaine prochaine ça va devenir une joie totale parce que on f... on, fera... on fera presque plus de calculs à la main. Je vais vous montrer comment vous servir de ça pour que tout se fasse automatique. Ça va être triste par contre pour moi parce que moi j'aime les calculs détaillés là. Mais... Ah mais moi je, vais, moi je vais être triste. Moi je vais être triste la semaine prochaine malheureusement parce que moi ce que j'aime c'est comprendre tout le calcul, toutes les étapes du calcul. Là on ne comprend plus rien. Quand on fait juste toute rentrée dans la calculatrice, peser sur Enter, là c'est le moment. Oh que c'est frustrant. Exact, c'est ça l'objectif, c'est d'améliorer son niveau tranquillement. C'est pas de devenir des experts hein, des mathématiques, c'est pas ça l'objectif non plus. C'est juste d'améliorer son niveau pour mettre plus de cordes à votre arc. Celui-là, j'avoue, j'admets, là, celui-là, c'est classé comme un très difficile. Là. Je ne m'attendais pas à ce que vous l'aviez l'auriez du premier coup, C'est quand même un très difficile, le numéro 3, là. Bon, est-ce que vous voulez le numéro 4 tant qu'à faire? Ah oui, question! Ah, peut-être à, à après le cours, à 9h. À 9h, je pourrais répondre. Oui, oui, tout à fait. Mais avant, je voulais faire la dernière pour pouvoir conclure le tout. Question 4. Je me permets de la faire. Mais là, c'est ça qui est intéressant parce que le numéro 4 est dans la simulation 3. Hein? C'est le 3B où on vous demande de comparer des, euh, des, des offres. Hein? Donc, euh, ça, c'est vraiment très, très bien également. Puis je vais me faire un peu d'espace pour le faire dans Paint. Je vais le copier-coller ici. Puis je vais pouvoir zoomer sur ça. Puis je vais vous la montrer, la 4. Donc c'est ça, vous empruntez un certain montant pour des rénovations. Puis on vous indique, on vous demande l'offre la plus avantageuse. Donc quand c'est un emprunt, on veut le taux le plus bas. Quand c'est un emprunt. Hein? Quand c'est un placement, on veut le taux le plus élevé. Mais là, comme c'est un emprunt, on veut le taux le plus bas. Puis là, ce qu'on nous dit pour la A, bien là, vous n'avez peut-être pas le même A que moi, là. mais bon, c'est l'institution X. Là. Faites attention, là, il change le ABC, le Moodle, pour nous mêler. Là. I, dans ce cas-là, est de 12,28% et le M est égal à 12%. Pour le B, j'ai I égal à 12,45% et euh, M égal à 2. Puis finalement, j'ai i égale à 12.33% et m égale à 4 pour trimestriellement. Puis une fois que vous avez ça, ça vous permet de calculer votre j pour les trois situations. Donc euh, pour le premier, ça veut dire que le j va être égal à 12.28. Il faut le diviser par 12. Le i, fait que je vais aller chercher mon j, 12.28, divisé par 12. J'arrive avec un J de 1.0. 2 3, 3, 3 petits points. Je vais mettre 3 petits points là. En divisant mon 12.28 par 12. Puis en le divisant par 100, vous allez l'avoir en format décimal. Fait que je vais le diviser par 100. Ça, c'est en pourcent. Je vais le diviser par 100 aussi pour l'avoir en format décimal. C'est 0.0102333. Puis bien évidemment, vous êtes mieux de le stocker là. Comme il y a beaucoup de décimales, là, moi je préfère faire STO1. Même chose avec l'autre ici. On va trouver en divisant par 2 euh, la valeur de J en pourcent. Donc euh, lui, j'ai fait euh, ça, divisé par 100. Il faut juste que je le stocke. STO1. Le deuxième, 12,45 divisé par 2. Ça donne. Euh, lui est plus simple. 6,625. Fait que lui, pas besoin de le stocker. Là, le deuxième, 6,625%, lui, on peut déjà dire que c'est 0,06625. Puis le dernier, J va être égal à, je vais le faire, 12,33 divisé par 4. J'arrive à 3,0825%, donc ça me fait 0,03825%. Euh, Est-ce que je l'ai bien fait? Non, il me faut un 0 ici. 3, 0, 8, 2, 5. Parfait. J'ai mes 3j. J'en ai besoin parce que pour l'institution x, ben pour le x, il faut faire la formule du r. Donc r va être égal à 1 plus j. Le tout exposant m moins 1. Donc c'est la formule du taux réel qu'il faut utiliser. Puis si vous le faites, vous allez voir que ça nous fait 1 plus. Euh, ben là, comme on est institution X, je l'ai stocké. Je vais faire RCL 1. Le tout exposant quoi? Ben le tout exposant 12, parce que c'est capitalisé mensuellement. Moins 1. Fait que je vais le faire rapidement. J'ai 1 plus recall 1. Ça me donne ça. Exposant 12. Moins 1. Un, moi j'arrive à 0.12. Je vais vous l'écrire ici, là. Je l'ai fait euh, dans ma calculatrice. J'arrive à 0.12 99 52 874. Je ne sais pas si vous arrivez à ça, vous autres aussi. Superbe. C'est le taux réel. Le taux réel, c'est de 12.99. Fait que ce n'est pas 12.28, c'est 12,99 euh, 52 874 pour la l'institution X. Pour la banque, je peux le faire. C'est la même chose. C'est R va être égal à 1 plus J. Exposant M moins 1. il manque juste le M que je dois mettre ici. là M. Fait que ça nous fait quoi? Ben. Ça va nous faire. Euh, parenthèse 1 plus 0.06625 il faut toutes les faire moins 1 puis euh, lui va être à la, à la à la 2 à la 2 fait que ça va faire quoi je peux le faire ici euh, 1.06625 exposant 2 ça me donne ça moins 1 égale j'ai 0.136889063. Donc la banque, c'est pas très bon hein, comme euh, comme option parce que c'est plus élevé que l'institution X. Puis finalement, on peut faire la caisse. Caisse. Même chose. Ben là, je vais pas remettre la formule. Là, c'est la même formule. Mais je vais mettre mes chiffres dedans. Pour la caisse, c'est parenthèse 1 plus le J qui est de 0.030825 moins 1, le tout exposant trimestriellement, c'est exposant 4. Puis si on le fait, je le fais rapidement, 1.030825, le tout exposant 4, moins 1, j'arrive à 0.12 91 au oh, 1 9 1 44 lequel vous choisissez la caisse parce qu'on veut le plus beau ah ben ça dépend ça dépend si la caisse c'est le b parce que là, Moodle a changé, mais c'est la caisse. Moi, dans mon cas, c'est le C. Mais vous, dans votre cas, ça peut être le A, ça peut être le B, ça peut être le, le C, ça dépend. Moodle randomise, mais c'est la caisse. C'est le 12.30. Ce si 12 ah! 12 ah, est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? Dans ce cas-là, je vais recommencer. J'ai peut-être fait une erreur de calcul. 12.45 divisé par 2. Ah, j'ai fait une erreur de calcul. Personne ne m'a averti. Ici, c'est mon J. Il n'y a pas de 6. Ici, c'est un 2. Ah, c'est 2, 2, 2, 5. Excusez, excusez. C'est un 2. Ce que parce que sur les ah! J'ai fait. Mais c'est ça, j'ai fait une erreur de calcul. C'est pas un 6 qui est ici, c'est un 2. Je m'excuse. C'est un 2. C'est 6, 2, 2, 5 quand on divise le 12.45 par 2. Ah, c'est ça mon erreur. Je le corrige. Puis là, ici, c'est pas bon, là. Ça veut dire. Je vais le refaire. C'est 1.0... Vous voyez comment ça peut tout changer. Hein? Exposant 2, moins 1. Ah ben oui, ça donne 0.12 83 75, 0, 6, 3. Ouais, vous avez raison. C'est lui le meilleur, c'est la banque. Et non la caisse. Bonne soirée, hein? Ah, bonne soirée à tous! Encore une fois, n'hésitez pas hein, si jamais vous avez des questions, euh, m'écrire, ça me faire plaisir de vous répondre demain, là, euh, probablement. Donc, euh, B, dans mon cas, c'est la banque. Parce que c'est lui le plus faible. Oui, oui, si vous désirez en. Vous sentez le besoin d'en faire plus. J'en ai mis d'autres comme d'habitude sur Moodle. Euh, je peux vous montrer ça. math immobilière. Puis si on va dans la semaine actuelle, euh, moi je vous conseille de faire le fichier PDF. Celui avec la calculatrice, attendez, on va le faire la semaine prochaine. Celui avec euh, intérêt composé calculatrice. Oh, ça va être de la bonne pratique dans ce cas-là. Oui, 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 mais c'est vraiment plus à partir de la semaine prochaine que là, tout devient automatique par la calculatrice. Et on ne voit plus les calculs. Ça me fait un peu de la peine. Ben oui, la semaine prochaine, je vous souhaite une belle soirée. Je vais stopper l'enregistrement ici.